VOD, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle VOD, sur Mario et Luigi Superstar Saga. On va continuer à chercher les fragments qu'on avait commencé à chercher la dernière fois. Donc on était arrivé à un bateau dans le désert, enfin c'était un peu chelou. Il y avait pas mal de squelettes, etc. On va voir un petit peu ce que ça donne, en sachant que je crois que c'est le premier fragment sur 4. Donc ça veut dire qu'il nous en reste pas mal, donc je pense qu'on est quand même encore loin de voir l'étoile. Mais enfin, on verra bien comment ça se déroule ce soir. Et puis écoutez, YouTube, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Et puis tous les liens sont dans la description, tout est good. Et tout est gully good, voilà, magnifique. Je vais lancer du coup le jeu, magnifique. Je vais vous mettre le son du jeu, et normalement tout devrait être bon. Je sais plus comment on fait, ça doit être comme ça. Je sais plus comment on fait pour mettre en full screen. Mince alors, qu'est-ce que je fais, mince. Attendez deux secondes. Et bonsoir YouTube, coucou YouTube, vous êtes adorable. Alors attendez, je sais plus, mince, ça fait trop longtemps. Taille de l'image, basculer en plein écran, voilà, parfait. Je prends la manette, et yes, y a pas le jeu. Yes, y a pas la sauvegarde. Attendez deux secondes. Aïe, j'adore quand ça commence comme ça. J'adore quand je prépare tout et qu'au final, ça n'est pas bien préparé. Un plaisir, tout simplement. Un plaisir. Aïe, allez, on y croit. Ok, c'est bon, on va pouvoir continuer. Oui, du coup, la dernière fois, on s'était arrêté dans ce bateau-là. T'inquiète, ta neige, tu gères quand même de ouf. La dernière fois, on s'était arrêté dans ce bateau-là, on avait fait une sorte de mini-jeu par là, si je me trompe pas. Ouais, on avait fait un mini-jeu qui était pas très facile d'ailleurs. Ouais, on avait bien galéré et je sais plus où est la suite par contre. Vous voulez rejouer au jeu des tournées? Non, franchement, on veut pas rejouer. Verifort, le tanej, merci mon kill, t'es adorable. Ouais, du coup, on va continuer, on avait save juste ici, peut-être par là. Si on avait save ici, c'est peut-être parce que c'était intéressant par là. Oh, mais vous avez la carte de membre! Très bien, maintenant que vous faites partie de l'équipage, vous pouvez rentrer dans cette pièce. Mais voilà, c'est ça, d'accord. On avait fait le mini-jeu pour récupérer une carte de membre, et puis ensuite arriver ici et continuer à chercher, du coup, le fragment. Le fragment qui se retrouve juste ici, parfait. Il n'y avait pas eu un pass ou un badge, ouais, c'est ça. Frère, je suis rentré dans un trou. Dans mon jeu, j'ai eu 3 coffres. C'est très cool, c'est très bien. J'ai apporté ce truc brillant à l'entrepôt, mais je ne sais pas à quel endroit le ranger. Est-ce qu'ils vont être gentils et nous le donner? Ah, quoi? Vous dites que ce truc qui brille, c'est un morceau de la végétoile, voilà, c'est ça. La végétoile. Et que vous êtes venu ici pour le chercher? Je comprends. Vous voulez les récupérer. Il est vrai que nous, cela n'a pas grand intérêt. Je pourrais vous le donner, mais... ce truc a cassé la porte de mon bateau, alors je ne veux pas le donner gratuitement. J'ai une idée. Si vous sortez Billy du mur qui se trouve là-bas, je vous donnerai ce machin qui brille, c'est donnant. Vous êtes d'accord? Bah ouais, carrément. Carrément, donc Billy du mur. Ah ouais, il a l'air bien coincé, Billy. Le jeu de bateau que je t'ai dit sur Roblox. Un jeu de bateau sur Roblox? Ah! Les bulles de soda hilaro me piquent les os. Voulez-vous boire avec moi? Venez voir. Lui, c'est Billy, notre infortuné camarade. Il a bu trop de soda hilaro et il ne peut plus sortir du mur. En plus, il a oublié où il avait laissé les bombes pour détruire le mur. Des bombes pour détruire le mur, ça c'est pas mal. On a joué à Forgotten Memories et à Dragon avec Ona, le bot de Forgotten. Peut-être Memory nous a défoncé, yes. Un plaisir. Que faire, Billy? Est-il condamné à rester coincé ici? Donc des bombes. Il y aurait des bombes. Très bien. Des bombes à bord. Où est-ce qu'on pourrait aller? Attendez, là, il y a un chemin par là. Je crois qu'on n'y est pas encore allé. Ah, on n'a pas dû y aller beaucoup. Ah, si, je m'en souviens. Bon, on va le refaire. Vous pariez combien de d'aller-retour? Vous pariez combien? Moi, je parie 13. Non, plus. Je parie 20. 20, ça me paraît bien.
20, ça me paraît pas mal. Là, j'ai déjà fait les 13 assez facilement. Vous pariez combien? 70, 25? Oh mon dieu! J'ai parié 20. Oh! Oh non! 22! Je pensais que j'allais faire les 25. Oh non! Oh non! J'étais persuadé que j'allais faire les 25. Et donc là, c'est de là où est-ce qu'on rentre. Très bien. Écoutez-moi, ce bateau s'appelle le Millésime et il est connu dans le monde entier. Nous transportons le soda hilarant, étonnant, n'est-ce pas? Zut, en vrai, j'étais pas très loin. Oh, attendez, ça, on l'avait pas vu, pardon. Ça, on l'avait pas vu. Ah si, on l'avait vu. On avait même parlé au capitaine. Ah, ça, on l'avait vu. Et les bombes, il n'y en aurait pas là, genre... Toi, tu dis quoi? Vous demandez pourquoi ce bateau se trouve au milieu du désert, et ben comment vous expliquez, ce bateau a été coulé, voyez-vous? Oui, nous avons été coulés. Le temps a passé et la mer s'est complètement retirée, nous laissant ici. Cela fait tellement longtemps que mon corps est devenu squelettique. C'est bizarre tout ça. Attendez. Oh, fire! Attendez, il n'y a pas moyen que je brûle ça? Oh si, voilà! Oh! Ok! Ok! Ça avait pas grand sens, mais ok! Ok, très bien! Moi, ça m'arrange, pas de soucis! Ok! Et donc, du coup, maintenant, si je fais ça, je peux brûler ça, ça allume ça. Peut-être un peu violent, non? Ok, ça va. Ça va, ça va. Oula! Bah ouais, forcément! Ah merde! Merde, c'est problématique ça! Attendez quoi? C'est du sable! Ah ouais, ça doit être du sable! Oh, il va se retrouver dans la mer? Qu'est-ce qui se passe? Capitaine, le bateau est de nouveau à l'eau! Nous pouvons enfin reprendre le large! Ah, ça y est, le bateau Millésime va finalement pouvoir reprendre du service! Et du coup, il pète un rocher, d'accord? Ah, au secours, SOS, SOS, nous refaisons naufrage. Ah, mince. Mince, mince, mince. Mais du coup, ok, le fragment, il se retrouve ici. Là, il y a plein de sable, très bien. Très bien, très bien. Et là, notre but, ça va être de chercher le fragment, j'imagine. Très bien, très bien. Bah du coup, on va spammer les sauts. Hein. Allez, pourquoi il veut pas... Ah ok, il faut qu'il soit sur le saut. Très bien. Ok. Pas très logique tout ça, mais c'est pas grave. Ok, ça va. Hop. On va faire une petite sauvegarde ici parce que ça me fait un peu peur. Je vois beaucoup de sauvegardes les unes après les autres, j'ai un petit peu peur. Et je joue avec des potes, il y a pas grand monde pour une fois sur le live. Ça va. Ça va, ça va. C'est tranquille. Idem car je joue à Roblox, pas de soucis. Mais je regarde le live en fond, mais magnifique. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Ok, faut aller par là. Ça continue tout droit. Très bien. Très bien. Bah, on va suivre. Hein. Je vois pas trop si on peut faire d'autres. Pourquoi on peut pas. Pourquoi. Quoi? Ah, d'accord. Attendez, je suis au rebord. Normalement, je suis au rebord. Pourquoi on peut pas aller là-dessus? Il y a un problème là. Un petit problème. Un tout petit problème. Par contre, ça, on l'a jamais vu. C'est un nouvel endroit, non? Ah, attendez, si. Ah, si, ok, je me souviens. Je me souviens de cet endroit. Vive Roblox, quoi. J'avoue. J'avoue. Attendez, je sais pas. Ah. En vrai, c'est fatigant un peu. Ah, et là, c'est trop haut. Attendez, il y a peut-être moyen de bouger, non? Ok. Jusque-là, tout va bien. Moi je regarde mais je reste à moitié dans... On voit pas dessus ici. Et donc là maintenant ok. Ah mais ça on... Qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça? Je sais plus. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Il faut peut-être combattre les poulpes. Vous pensez que c'est ça? C'est peut-être ça hein. On sait jamais. Mince, j'ai pas réagi assez vite. J'ai pas réagi assez vite, mon dieu. Ah, j'ai réagi trop vite. Mon dieu. Bon, du coup, je vais faire marteau ici parce que c'est les plus dangereux en vrai.
Pareil, on va faire marteau ici. Hop, comme ça, il perd ses piquants. Et il dégage, parfait. Est-ce qu'il va... Non, c'est bon, ok. Là, il va... Il tape Mario. Oh, il me rend... Il me rend le truc chiant, là. Ok, j'ai réussi à le taper. Pourquoi il tape que Luigi? C'est étonnant. Ok. Très bien. Hop là. On va faire pareil ici. Paf là. Est-ce qu'il perd? Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai l'impression à chaque fois que... Ouais, à chaque fois, il se retrouve emporté. Il se retrouve à chaque fois emporté. Hop là. Non, yes. J'ai lâché trop tard. Mais j'étais dans le bon rythme. Non, j'ai lâché trop tôt. Je fais que de la merde. C'est fou. Je fais que de la merde. Bah, on va faire saut. Hein. Hop là. Et pareil ici. Hein. J'espère que je vais pas mourir. J'espère, en vrai. Ok, là, j'ai réussi. J'ai réussi. Bah, sinon, vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Vous avez fait quoi de beau? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Qu'est-ce que vous racontez de beau, les greufs? Ça fait longtemps que je vous ai pas appelé, les greufs. Ça fait super longtemps. Hop. Ok, non! Je pensais que j'étais bon. Rien à raconter. Oh non! Mais ça ne m'arrange pas du tout, ça. Hop. Je vais taper. Ok, c'est bon. Il récupère un peu sa vie, ça c'est bien avec Mario, du coup maintenant il récupère sa vie à chaque fois. C'est pratique. C'est pratique. Non, pas mal. Ok. Hop là, parfait. J'ai joué avec Ona, YouTube est resté dans l'ombre, très bien. Ok. Ok. Bah c'est un bon programme quand même, plutôt pas mal. T'as dû passer une bonne journée quoi. Et fais la vaisselle, bah parfait. Et t'as fait t'as pas ta crêpe, non? Aussi ce matin. T'as pas ta crêpe du coup. Du coup à chaque fois tu me donnes envie de faire des crêpes et à chaque fois je me dis non, je vais faire des crêpes quand même. Et puis après je me dis non, un peu la flemme quand même. Ma mère l'a fait ce matin, je dormais. Ah, c'est même pas toi. C'est même pas toi qui fais tes crêpes. Non mais oh. Je rigole. Hop. Ok, je commence à avoir le bon rythme. Mais par contre, s'il tape toujours Luigi, c'est fou. C'est fou, ça. D'habitude, c'est moi, là, c'est elle. Bah, écoute, on change les habitudes de temps en temps. A voulu faire plaisir. King, tous les jours, il mange des crêpes. Mais ouais, c'est fou, ça. C'est fou, quand même. Hop. Là, il va attaquer. Ok, c'est bon. J'ai eu de la chance, en vrai, là. Bam, ok. Pour l'instant, je n'ai pris aucun coup. Vous allez voir que j'ai loupé. Non, c'est bon. C'est bon. On va refaire marteau ici. Béon. Là, pareil. Hop, et là. Bon, ça va, ils sont assez simples à battre, en vrai. Je pensais que ce serait beaucoup plus dur. L'arrière, c'était pancake. Oh. Ah ouais, t'alternes, genre. Tu changes de pâtisserie. Enfin, pâtisserie. Je sais pas si c'est des pâtisseries, en vrai, les crêpes et les pancakes. Je pense, hein. Ça me paraît très logique. Hop, et là. Bon, je pensais que c'était... Fallait tuer tous les mobs. Ah, peut-être là. Je pensais qu'il fallait tuer tous les mobs. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On va voir. Hop. Non, mince. What? Il est passé où ton cadeau à côté de ton pseudo? Ah, ça arrive de temps en temps. C'est juste de temps en temps le cadeau n'apparaît pas. Crève pas déjà, ouais. Ça pourrait être pas mal. Non, en vrai, ça va. Avec la tenue de Mario qui récupère du coup de la vie régulièrement, ça va. Ah, j'ai plus rien. Mais si, regarde, c'est revenu. Vous inquiétez pas, moi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Bon, là, on a fait quoi? On a fait 4 combats. Ah non, j'ai... Soit ça respawn. Soit je sais pas. Hop et là, ok. Par contre Luigi il fait de plus en plus mal hein. Luigi il devient trop fort en vrai. Ta neige ultra flop neige. Ah oui, du coup vous avez vu les nouvelles emotes. 3 nouvelles emotes disponibles ce soir. Je les ai fait cet après-midi. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Enfin, je les ai juste mis dans le chat Discord. J'ai pas plus le dire en fait. J'ai rien dit de plus. On a encore un là.
Ben oui, j'ai vu. Ben oui. Hop là, ok. J'étais un peu en avance, mais ça va. Là, un peu en retard, même beaucoup en retard. Logis, il commence à prendre cher là. Béon. Je suis toujours à l'affût dans l'ombre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, le jour où King sera plus à l'affût, ça va me faire bizarre. Hein. Ça va me faire bizarre. C'est comme là, genre, j'ai lancé le stream. J'ai lancé le stream tout simplement. Et d'habitude, vraiment à chaque fois, il y a Kiruko qui est là, genre. Une vingtaine de minutes avant. Non! Une vingtaine de minutes avant. Là, je regarde du coup. Et il est pas là. Ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a fait trop bizarre. Je me suis dit, ah mais ouais, du coup, ça chante que d'habitude. King au taquet à chaque fois, t'inquiète. Ouais, je vois ça. Je vois ça, je vois ça. Ça, on l'avait fait. Ah non, ça, c'est là où est-ce qu'on venait la dernière fois. Et du coup, maintenant, ça va respawn ou pas? Ça va respawn ou pas? Je crois, hein. Ah non, pas forcément. Mais le pire, c'est que je crois que je peux pas revenir en arrière. Du coup. Je peux pas revenir en arrière. Je l'attends à partir de 20h24. Ah bah écoute. Attends. Et si... Oh, attends, j'ai une idée. Est-ce qu'on l'a déjà fait, ça? Ah non, ça marche pas. Je vois pas vraiment ce que je peux faire, genre... Je sais pas du tout ce que je suis censé faire, là. Et avant 20h24, je suis dans l'ombre à espionner. Oh mon dieu. Comment vais-je faire? Il me surveille constamment. Oh mon dieu. Attendez, il y a un chemin par là aussi. Qu'est-ce donc? Une save. C'est bizarre tout ça. Je comprends rien. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il faut faire? Regarde, King, c'est Sauron. Attendez, en plus, je crois que je suis bloqué, là. Mais non, mais... C'est pas possible. Et en plus, je suis bloqué, là. Je crois que je suis réellement bloqué. Je peux pas revenir là où est-ce que j'étais avant. Là, je peux pas aller là. Pourquoi tu le saurais, t'es chelou? Mais non, il fait juste son travail de secrétaire. Mais attendez, mais je suis fou de bloqué. C'est quoi ce bordel? Attendez, mais quoi? Bon bah écoutez, j'imagine qu'on va aller par là, hein. Même si on a vu le fragment partir par là. Bah écoutez, on va le faire, hein. On va partir par là. Même si ça me paraît bizarre. Pourquoi il faudrait aller par là? Ah ouais, non, ça peut pas être par là. C'est pas logique. J'étais sur le live de Halfdan dans l'ombre. Ah, donc du coup, tu sais à quelle heure il arrête? Vas-y, dis-moi à quelle heure il arrête. Juste pour voir. Dis-moi à quelle heure il arrête. 23h. Aïe, aïe, aïe. Il était vraiment là, ce fou. Il était vraiment là. Oh non. Aïe, aïe. Ouais, du coup, ce soir, on va pas pouvoir raid Halfdan. Parce que, bah, il arrête à 23h. Donc écoute. On va pas pouvoir, hein. C'est comme ça, ça fait partie de tout ça, là. Non, c'est pas possible. Tu parlais avec un mec aussi sur le chat. J'ai juste dit bonjour, hein. Je veux pas plus parler que ça, j'ai juste dit bonjour. Hop. Béon. Ah, c'était toi qui étais dans l'ombre, d'accord, ok. De toute façon, King, il est dans toutes les ombres, c'est abusé. Peut-être par là. Je sais plus du tout où je suis censé aller. Bah voilà, je suis perdu. Je suis arrivé sur son live, il était à première mi-temps contre Umbrella. Oh. Ah ouais, moi je suis arrivé à la toute fin. Ose aller dans la mienne, j'appelle un exorciste. J'avoue que quand t'es pas habitué d'avoir ton king dans l'ombre, bon... c'est chelou, mais à force tu t'habitues, hein.
Avant son habitude. Bon, je vais sauvegarder, même si je sais que ça va pas me soigner, ce qui est ce que j'ai le plus besoin. Je sais plus du tout où je suis censé aller. Je crois qu'il faut aller dans la zone de sable, non? Faut aller dans la zone de sable, non? Je crois, hein. Comment on y accède? C'est plus. Il s'est auto-supprimé? Ah bon? Moi, je le vois pas. Moi, je vois pas de suppression. Après, c'est peut-être parce que c'est mon rêve. On ne sait pas. Oh, what? Comment ça? C'est moi ou Luigi? Il est passé devant en mode bah les couilles. C'est moi ou Luigi? Il est passé devant en mode bah les couilles. C'est passé quoi? C'est bizarre, non? C'est auto-supprimé. Ok, donc là il y avait le bateau, ok, jusque là tout va bien. Mais attendez, mais je suis censé faire comment en fait? Je suis censé faire comment? Il y a écrit Wizbot, mon YouTube, lien supprimé? C'est bizarre. Moi je le vois même pas. Attendez, non. Là, c'était là où est-ce qu'on avait été avant d'aller dans le bateau. Mais je crois qu'on est bloqué. Je crois qu'on est bloqué. Je crois qu'on est bloqué. Parce que on était bloqué quand on était sous l'eau. Oh, tiens, il y a un chemin là. Oh! Et on, si on arrive par derrière, est-ce qu'on arrive à le. Non, on n'arrive pas. Non, ça fait rien. Je crois qu'on est bloqué, hein. Je suis presque persuadé qu'on est bloqué. Faut rester sous l'eau d'après la Solus. Par derrière. Oui, je sais. Oh, je suis bizarre. Faut rester sous l'eau. Bon, bah, on va retourner là où est-ce qu'on était, hein. Ah, mais sous l'eau. Ah, mais là où est-ce qu'on était sous l'eau. Ah, je sais. J'ai une idée. J'ai une idée, mais je n'y aurais jamais pensé. J'aurais tellement jamais pensé à ça. Bon, déjà, il faut retrouver l'endroit où est-ce qu'on peut retourner sous l'eau. Ah bah, c'était là, magnifique. Ok. Jusque-là, tout va bien. C'était là, hein. Je crois. Je crois. Je sais plus. Je sais plus du tout. Hop, allez, on met une petite tatane. Voilà. Luigi, pareil. Ça se voit qu'on s'est amélioré, quand même, hein. Ça se voit qu'on a boosté un peu les persos quand même. Peut-être par là. C'est par là, non? Non, ça n'a rien à voir. J'ai perdu. Et je suis mort pour la 50e fois. Ah, forcément, Itadakimasu, ça arrive. Hein. Mais attendez, mais... Je comprends plus rien. Je comprends littéralement plus rien. C'était pas là? Ou alors c'était par là? Ah, ça doit être là. Bah non, là c'est le château. Mais what the fuck? Mais on est venu d'où? Comment on est venu? Attendez, comment c'est possible? Comment je peux être autant perdu? What the fuck? Ah, peut-être par là. Peut-être par là. Peut-être par là. Ah. On est déjà venu ici? Ta neige égale Zoro. Aïe aïe aïe. Ah, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Mais par contre, eux, on les a jamais combattus, donc j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur. Ils ont l'air un peu vénères derrière. J'avais pas vu qu'il fallait... fallait faire avec le marteau. Non! Bah yes. Yes, yes, yes. Non, 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 attendez, laissez-moi passer. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Et donc c'était bien là. Ok, c'est bon. Oh, attendez, il y avait un truc. Il y avait un truc, attendez, 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 attendez. Il y avait un truc, je crois, qui était accessible là. Non, 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 je suis resté appuyé là. Bah.
Puis quand tu auras retrouvé le bon chemin sous l'eau et tout, tu iras au canyon et... Au canyon et... Ah, et là, d'accord, ok, il nous faut ça. Bon. Au canton et... Au canton et... D'où ? Au canton et... Est-ce que du coup, là, ça marche ? Ah, mais ouais, mais ça débloque tout, en fait ! Ah ouais ! Est-ce que vous auriez pensé à faire ça, si je l'avais pas fait ? Est-ce que vous auriez pensé à faire ça ? Ok. Et du coup, là, je vois pas ce que je suis censé faire, hein. Ah mais merde, c'était Luigi qui faisait, je suis con. Au canton et ça fait rien du tout, hein. Yes. Il doit y avoir un truc ici, ou alors et là. Yes. Oh, je suis si nul là. Et attendez, si je suis ça... Non, y'a rien dans tous les cas. Y'a rien. Je vois pas du tout, hein. Au canton, pépé. Et là, y'a pas un chemin par visible. Ou alors, y'a un truc que j'ai pas encore débloqué. Y'aurait un truc que j'ai pas encore débloqué. En vrai, c'est possible, hein. Mais non, il est con. Force, yes. Yes, yes, yes. Je suis perdu. Je suis littéralement perdu, là. Je sais absolument pas quoi faire. On va faire saut. Ah, ok. Saut, ça fait plus de dégâts, quand même. Yes. Ok, ça va. Ok. Punaise, je pensais pas qu'il allait foncer sur moi comme ça. On va faire saut. Ça fait toujours plus de dégâts, saut, en vrai. Béon. Lui, il va foncer direct. Yes. J'anticipe ces trucs, mais je me rate quand même. Un plaisir. Ah, ça va jamais être fini. Bon, ils sont tous les deux au sol. On va leur sauter dessus. Je devrais peut-être soigner Luigi quand même, hein. Yes. Ok, ça va. Ça va, je vais le prendre. Ça va, on a largement le temps de les taper, en vrai. On a largement le temps de les taper. Encore un? Non? C'est finito? Ah, c'est sûr que c'est pas par là. Je comprends rien. Je comprends rien à ce que je suis censé faire. Je comprends littéralement rien. Mais non, Luigi! À chaque fois, j'oublie qu'il faut que je lui mette le truc de saut. Et si je fais là comme ça? Non, ça marche pas, hein. C'est pas ce que je suis censé faire. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que je suis censé faire? Attendez, j'ai quoi comme possibilité? Ça sert à rien. Ça n'a pas marché. Ah, quoique, attendez. Est-ce qu'on a essayé ça? Ça marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien de spécial. Je vois tellement pas ce que je suis censé faire. Dis-moi quand t'as besoin de la solution que je t'envoie sur Discord. Bah, en vrai, là... Et si je saute au-dessus, non? Je vois tellement pas ce que je suis censé faire, là. Attendez, réfléchissons. Réfléchissons. Qu'est-ce qui peut... Il y a peut-être un truc que j'ai pas récupéré, hein. De toute façon, il y a deux chemins possibles. Soit par ici... Ah, et ça nous ramène ici. Ah ouais.
D'accord. Ok, j'ai une idée. J'ai une petite idée de ce qu'il faut faire. S'il y a un chemin qui nous permet de revenir ici. Déjà la porte je peux pas l'ouvrir, c'est ce que je me disais. Donc le chemin ça doit être ça. Pour moi ça doit être ça. Parce que ça me surprenait trop qu'il y avait un jump ici que je puisse pas. Ah voilà, d'accord. D'accord. Je comprends mieux. Voilà. Là ça allume ça. Voilà, d'accord. Je comprends mieux. Merci, ok. Ok, c'est bon. On l'a fait, putain. On y est, c'est bon, on continue. Aïe. Ah, oh, c'est quoi ça? C'est des étoiles de mer, là? Trop bien. Oh, je les aime bien, en vrai. Yes. Bon, là, je pouvais rien faire. Ah, mais non, attendez, Luigi! Mais non! Ok. Yes! Un plaisir. Je vais faire main, tiens. Bah non, on est sous l'eau, ça va pas lui faire du gros dégâts. Non, on va juste sauter. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Ouais, c'est un haricot, lui. Ok. Sauf qu'il faut faire gaffe. Là, il se secoue comme ça. Non. Ok. Ça se rapproche tout doucement. Non, putain. Aïe. Ça va être complexe, mais ça va le faire. Ok. Mais lui, du coup, là, je suis censé faire quoi? Ah, d'accord, ok. J'avais pas vu que j'avais un marteau. Proto, encore, putain. Je suis trop nul. Je suis dans la sauce, là. Bref, pas, y a pas eu... Y a pas Kiro pour qui. Imaginez une soirée sans mort. Impossible. Vous le savez bien. Ok, non. Non, je me suis loupé. Attendez, mais là... Non, bon, ça devrait pas prendre autant de temps que tout à l'heure. Ah, mais non. Ah oui, du coup, je veux que j'ai resave ici. Oh. J'en ai marre. Ah non, je suis mort comme une merde en plus. Attendez, on était passé là. Je sais plus à force. À force, je sais plus. Aïe. On va faire rapidement. Vous inquiétez pas, ça va aller vite. Mais non, c'était pas là encore une fois. Je suis vraiment perdu, hein. J'ai aucune idée là. J'ai littéralement aucune idée. Ah si, je crois savoir. Là ici, non? Là par là, non? Même qu'on était tombé sur la zone... Ouais, ok, c'est ça. Ok, c'est bon, je l'ai. Yes. Un plaisir. En plus, il y a plein de mobs. Non, mais non. En vrai, les plus durs à battre, c'est ceux-là. Oh! Peut-être pas les plus durs, finalement. Yes! J'avais oublié que c'était avec le marteau. Ok. Yes, je prends quand même les dégâts. Luigi, tu meurs pas. Yes. Ok. Jusque-là, tout va bien. Luigi, il a un PV, mais jusque-là, tout va bien. Voilà, parfait. Non, en vrai, on va se soigner hein, quand même. On va se soigner parce qu'un peu la flemme de remourir en boucle. Hein. En plus, regardez tous les champignons qu'on a. Mais non, mais je suis un fils de pute en fait. Bon, j'abandonne ce jeu de démon. Quel était le jeu du coup? C'était sur Roblox, ça? Je le sais. Mais quel était le jeu du coup? Ah, ce jeu de baba de merde. Ce baba de merde, ah ouais, carrément. C'est un MMO. Un MMO Roblox? Très bien. Avec des boss et tout, impossible. D'accord, très bien. On va refaire une petite save ici au cas où si on meurt. Comme juste avant, hein. Littéralement. Même si bon, là j'ai récupéré un peu toute ma vie, ça devrait le faire. Le machin, il est devant toi, le perso, il s'est même pas tapé. Ah, ça c'est problématique. Ça c'est... Ouais, ça pose problème. Non mais Luigi, non, mais il est con. Cool, hein. Ok, c'est bon.
Tous les jeux de Baba sont nuls. Y'a que Shark, Beat et Bateau sont grave bien. Sauf dans le 2. D'accord, j'ai tout compris. J'ai tout compris, mais j'ai compris que les jeux de Baba étaient durs. Ou nuls. Non, nuls, ok. Là, c'est un mélange, c'est un MMO Blood Scout. Le truc avec des pouvoirs. Ça court. Sauf que ce jeu c'est de la merde. Ah ouais. Ah ouais, chaud de ouf. Ah ouais, excusez-moi, ça me fait rire. Trop compliqué ton truc. Un peu. Là il va taper Luigi. Ah non. Ok, il tape Mario. Par contre ils font trop mal hein. Ils font trop mal hein. Non, on va faire saut. Non mais non. On va faire saut, ce sera mieux. Et ça du coup, qu'est-ce que c'est? J'arrive même pas à comprendre ce que c'est. Ah d'accord. Yes. Ok, j'aurais pu carrément le faire. Est-ce qu'il va taper du coup? Ok. Non mais non, mais Luigi. Mais enfin. Il arrive plus à dormir. Ok, yes. Il vient de nous chier dessus là littéralement. Ok. Et lui du coup, là ça va être pour Luigi. Ok, bah c'est compliqué. C'est complicado un petit peu. Bon, quand est-ce qu'il meurt lui? Trois fois il attaque hein. Hop là. Ok, c'est bon. Quatre coups quand même pour le tuer hein. Je tiens à le dire. Quatre coups. Ok. Quand ça va en arrière, ça va sur Mario. Quand ça va en arrière, ça va sur Mario. C'est plus simple. Hop là. Hop là, ok. En deux coups, lui, il meurt. C'est déjà ça. Hop là. Voilà. Déjà là, ça se passe plutôt bien. On va tenter une main, tiens, j'ai envie de voir. Hop là. Non, ça fait pas grand chose. On va tenter avec Luigi, voir. Ok, c'est bon. On va tenter la main avec Luigi. Mettre une main à quelqu'un pendant qu'il fait dodo, c'est pas le mieux, hein. Enfin, c'est même pas bien du tout, en fait. Oula. Non, mais merde, mais je suis trop nul. Je suis trop nul. Premier combat, je meurs presque, là. C'est fou, ça. Avec des armes, bah, il m'a défoncé, c'est logique. Ah, c'est problématique si t'as défoncé. Bayom. Ok, ça va. Hop et là. On va récupérer ça, tiens. Ah, j'étais pas au bon endroit. Ok, un poids ouf. Pourquoi pas, ouais. Thunder. Là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre Mario, j'imagine. Ouais, c'est ça. Bref, c'est un jeu à éviter, d'accord. Très bien. Très bien, bah je vais suivre ton conseil et je vais l'éviter dans ce cas-là. Ok. Attendez, mais ça, il faut que ce soit Luigi qui le fasse. Ah non, et là, il faut que ce soit Mario. D'accord, ok. Ok, très bien. Ça a baissé ça, très bien. Mais attendez, mais l'étoile, elle a fait tout ce chemin. Foute de ma gueule, un peu. Hop, et là. Si je me trompe pas, faut le faire ici. Avec le numéro 1, je veux pas écouter les conseils de Théo sur les jeux Roblox. Mais pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Ok, et là c'est ouvert. Très bien. Très bien. Ça va, c'était pas compliqué là. C'était même un peu easy en vrai. Bah test perso, j'ai fait une après-midi de ce jeu. Mais c'est ça qui est bien et je pense que qui fait que vous aimez autant Roblox, c'est que bah, vous pouvez tous les jours découvrir un nouveau jeu en soi. C'est pas mal. Car il s'emporte vite, même si le jeu est bien, genre Bloxfront. Ah ouais, carrément. Hop là. Thunder. J'aime bien quand il dit Thunder. Je trouve ça bien. Attendez, mais quoi? Je peux pas aller en haut là. Bah, rendu fou ce boss.
j'ai insulté mon perso de tous les noms. Yes. Ou Bédouard ou d'autres. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Et ça nous ramène ici. Ah, attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi on se retrouve ici? Mais l'étoile, elle a pas pu remonter le tuyau. Mais elle est où cette putain d'étoile? Elle est où cette putain d'étoile? Oh non, je comprends rien à la carte. Et coucou Léna, comment tu vas? Comment ça va ce soir? Et encore une sauvegarde. Je comprends rien. Un Roblox, je n'aurais pas pensé à me dire. Bah écoute, mais t'inquiète, je vais jouer à un jeu plus détente. Pas de soucis. Ça va et toi, Tanej? Bah écoute, ça va très bien, Léna. Ça va très très bien. D'accord. Ah d'accord, attendez, j'ai peut-être une idée de ce qu'il faut faire. Non, ok, très bien. D'accord. Ah attendez, il y a un tuyau là. Et on avait découvert un... le sixième. Je crois que c'est Bédouard. Et un test d'autres, je pense, mais je sais pas. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée pour après. Dégagez le chemin, vous deux! Oula, madame. J'ai des nouvelles sensationnelles! Et les toutes dernières rumeurs, vous devez m'écouter! Oh, c'est un de ces pois brillants qui sont tombés du ciel! N'est-ce pas celui que Krustar Sauve aurait trouvé? Non, Krustar Sauve a ramené un pois et décoré sa coquille avec. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Cela ressemble à un arbre de Noël, paraît-il. Un arbre de Noël? Son gameplay sur Bédouard est marrant. Ah ouais? Ah bah écoute, ça pourrait être rigolo de regarder. Eh, ça doit être génial! Oh, excusez-moi. Nous devrions peut-être aller voir ça? Oui, c'est une très bonne idée, allons-y. Bon bah, je pense que la suite est par là. Hein. Si vous restez là trop longtemps, attention au coup de soleil! C'est gentil, madame. C'est gentil, c'est gentil. Bah, j'imagine que la suite c'est par là. Hein. Donc je me suis pas trompé. Ça va. Ça va, ça va. Là il y a en haut. Il y a en bas. Oh, mais il y a trop de trucs aussi. Il y a trop de trucs. Et là donc c'est pas par là. Donc on peut continuer par là. Très bien. Très bien, très bien. Attendez, je vais mettre les deux. Non, ok. Mario, 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 Luigi. Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Mario, Luigi, Luigi, Mario, Luigi, Luigi, Mario. Ok. J'ai demandé à Top s'il venait. Il vient ou pas? J'avais jamais vu quelqu'un qui vaut un épée de bois et pas d'armure courir après un vol diams. Le diams l'a mêlé. L'a même pas attaqué. Mais il est tombé dans le vide. Oh non. Aïe 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 aïe. C'est comme un level 1 courir après un level 100, oh mon dieu. Oh mon dieu. Hop, on va refaire une petite sauvegarde, comme ça on perd pas trop de temps si on meurt. Hein. Si on meurt, hein. Comme un level 1 courir après un level 100. Ah yeah, c'est bien mon petit Kiruko ça. C'est bien mon petit Kiruko. Oh. Oh. Vous deux, vous cherchez Hélène et Ganton, n'est-ce pas? J'ai pas le souvenir, mais ok. La technique de massage d'Hélène et de Ganton est formidable. Mais leurs mains vous convaincront davantage que mes paroles. Bienvenue, voyageurs. Vous êtes ici dans un centre de soins dédié à la relaxation du corps et de l'esprit. Nos spécialistes du massage vont utiliser leur technique miracle pour un massage doux et apaisant. Le prix du massage individuel est de 100 pièces et de seulement 200 pièces. Pour vous deux, alors, on y va? En vrai, on le fait. En vrai, on le fait ou pas? En vrai, on le fait ou pas? Je pense qu'on a 1000 pièces, ça devrait le faire. On ne devrait pas avoir trop de problèmes. Ouais, j'ai envie de le tenter, perso. Vas-y, fais-le, je le fais. Ah ouais, t'as déjà. Ok. Super, cela fait 200 pièces payables d'avance, merci. De toute façon, on doit aller les voir, donc autant payer les pièces, quoi. Allez dans la pièce suivante et attendez sur le sofa. Sur le sofa.
Ah d'accord. Ah ouais, on a carrément un sofa chacun pour nous. Oh. Bonjour mesdames. Ah, bienvenue. Comment allez-vous? Je suis Hélène. Faites-moi voir où vous avez mal. Allons. Et moi je suis Ganton. Faites-moi voir également car la douleur est mon pire ennemi. Oh, regardez-moi ça. Vos mains sont vraiment très fatiguées. Et les vôtres aussi. Elles sont terriblement abîmées. Ne vous inquiétez pas, vos mains font des miracles. Nous allons chasser cette vilaine fatigue. Oh, ils ont l'air de kiffer. Oh. Oh, qu'est-ce donc? Oh, c'est renversant. Vous maîtrisez la technique de feu. Elles sont cheloues un petit peu, ouais. Un petit peu. Oh, c'est incroyable. Vous maîtrisez la technique du tonnerre. Vous êtes vraiment des voyageurs, hein, tu vois. C'est fascinant. Nous, spécialistes de la main, sommes exactement les personnes qu'il vous fallait. Tout à fait raison. Mais avec des mains aussi fortes, vous pourriez même obtenir... Oh! Même souffrant, elle me soigne pas. En tout cas, vous n'avez pas besoin de massage. Nous allons plutôt vous apprendre une technique de main très spéciale. Qu'en dites-vous? Mais carrément? Ah ouais, donc on a bien. Oui, je savais que vous accepteriez. Allons-y, commençons la leçon. Nous allons vous montrer une technique absolument incroyable. Si vous n'écoutez pas bien, vous ne pourrez pas suivre. Ah, d'accord. Ah, on se retrouve pas au même endroit, là. Feu foudroyant. Kidnapping, un petit peu, ouais. Un petit peu. D'abord, vous en verre. Avec le bouton L, choisissez une technique. Ok. Main de puissance, d'accord. Accumuler la puissance du tonnerre avec le bouton B. Ok. Ok. Accumuler là, puis lorsque vous ne pouvez plus la contenir, relâchez le bouton B. Quand celui à l'avant est électrocuté, utilisez la manette plus pour vous déplacer tous les deux ensemble. Oh! Oui, il faut que ça chatouille. Un bon coup d'électricité. Dans le bas du dos. Une bonne décharge, c'est important. Utilisez cette technique pour pousser des choses avec le dos ou marcher latéralement. Oh! Et maintenant, il est temps d'essayer. Impatient, hein? Allez, ce qu'elle dit, j'ai un esprit limité. Super, essayez de me pousser avec le dos. Allez-y. Ok, ça me paraît moyennement utile en vrai. Ok. Oh oui, bravo, bravo. Vous êtes expert en chatouille. What the fuck? Vous en rouge, c'est votre tour maintenant. Appuyez sur le bouton Start pour changer de position. Ok. Avec le bouton L, choisissez une technique. Bien sûr, on prend la main foudroyante. Non, flamboyante. Accumulez la puissance du feu avec le bouton B. C'est chelou. C'est chelou. C'est marrant, oui, c'est très marrant. Surtout comment elle réagit, là. Jusqu'à ce que cette puissance soit prête à exploser. Relâchez avec le bouton B. C'est pour aller vite, peut-être. Ouais, c'est pour aller vite. Je pense que c'est pour aller vite. Salut, comment vous allez? Ça va très bien, et toi, mon rat, comment tu vas? Salut, rat, bien, et toi? Il se passe quoi? Bah, on vient de trouver des personnes qui nous apprennent des nouvelles techniques. Le long de la colonne, sans hésitation, allez, j'ai pas, d'accord. Le feu que ça brûle, c'est important. Utilisez cette technique pour vous déplacer à toute allure ou encore pour renverser des choses. Ok, super, il n'y a qu'à vous faire passer un petit test. Et donc du coup, B. Faut pas que j'oublie de faire B. Mais on l'a vu, ça. Foncez en courant sur cette boule d'acier. Ok. Alors du coup, faut que j'échange, que je fasse ça, que je relâche, et donc du coup... Bah, j'ai rien eu à faire, en fait.
Ça va, juste, je passe rapidement, j'ai des trucs à faire. Pas de soucis, Laura. Pas de soucis, pas de soucis. Ah oui, bravo, excellent, vous êtes expert en chatouille. Ok. C'est tout ce que nous avons à vous apprendre. Oh, Hélène, tu as juste oublié un petit détail. Oh oui, c'est vrai. Oui, oui, pour arrêter le sprint, appuyez dans le sens du contraire sur le bouton A. Voilà, nous vous avons enseigné tout ce que nous savions. Alors maintenant que c'est fait, nous avons un boulot pour vous. Utilisez cette technique pour nous ramener les deux perles de poids qui sont dans cette grotte. Votre puissance est nettement plus grande que la nôtre. C'est pourquoi vous pouvez récupérer pour nous les deux perles de poids. Écoutez, je ne veux pas insister, mais si vous refusez, vous devrez payer pour la leçon. Remont ça! Oh mon ça, oh my god, j'ai totalement zappé que j'avais un pingouin. Un pingouin, c'est-à-dire... Un pingouin? Ah, tu parles de Tiplouf! Vous devrez 100 000 pièces pour la leçon. On peut pas. Ne restez pas là, vite, vite, cherchez les deux perles de poids, vite. Et du coup, j'imagine que c'est par là. J'imagine. Allez, par là. Ok... objet mystère, statue de Bou. Cette jolie statue représente Bou, le fantôme timide. Oh, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il faut faire. J'ai compris. Attendez, hop. Si on se met du coup comme à ça. Là du coup on peut faire comme ça. Et maintenant on peut pousser ça. Oh. Je viens de voir que les deux ont des couleurs de Mario et Luigi. Et ouais. C'est à ça que ça va servir. Ah ouais, d'accord. Et donc là, ça fait ça. Théo aime pas Pokémon, donc Nice. T'aimes pas Pokémon, il t'attaque une masse. Comment c'est possible? Attendez quoi? On n'a pas la même inbox là. Hop là. Attendez quoi? Comment je suis censé? Quoi? Mais c'est trop chaud! C'est trop chaud! On a le temps de rien faire! Mais what the fuck? J'ai pas Pokémon, non. Comment c'est possible? Info du canon. Ah, je sais. Je suis juste con, en fait. J'ai attrapé un dauphin shiny aujourd'hui, sinon magnifique! Magnifique, ça! Ah ouais, d'accord. Mais pourquoi ça l'a désactivé? Pourquoi ça va désactiver? C'est peut-être que pendant un instant, ou pendant un moment, ou un truc comme ça. Bah non, ça va... Ah oui, si, ça s'arrête au bout d'un moment, d'accord. Vous avez obtenu la perle de poids verte. Ok. Oh, bien, super, une perle de poids verte. Ensuite, allez chercher la perle de poids rouge, vite, vite. Ok, très bien. Thunder. Triste Théo. C'est trop bien Pokémon, mais ouais, carrément. Mais du coup, comment ça se fait que t'es sur les lives Infinite Fusion alors? Oh, d'accord! Ça en servira ça! Trop bien! Oh! Comment avez-vous ça? On peut dire que vous êtes vraiment costaud. Oh! Ah, mais ça va débloquer tellement de choses! Bon, je vais y aller quand je dis que je passais rapidement, c'est vraiment rapidement, c'est vrai. Mais du coup, pas de soucis, bonne soirée à toi. J'espère que t'as passé un bon moment. Yes. Attends. Ok. Ah yes, je suis trop nul. Hop là. Ah, c'est un petit temps de... Hop, allez. Ah, c'est un petit temps de réaction quand même. Attendez, on va y arriver. J'ai l'impression qu'on peut y arriver sans... Ouais, ok, on peut... Faut juste faire un tout droit, il n'y a pas besoin du truc. Aïe. Ah, car ça joue avec ma vie. Ah, d'accord, très bien. Je comprends mieux mon Itadakimasu. Je comprends mieux. Oh, chouette, une perle de bois rouge. C'est exactement ce que je voulais. Ok, très bien.
Très bien, très bien. Bon, du coup, on a... Ok, on a débloqué ça, mais... C'est pas du tout ce qu'on cherchait, en fait. C'est absolument pas ce qu'on cherchait. Ah ! Et donc, du coup, maintenant, là, celui-là, je peux le dégager. Ah ! Comment avez-vous fait ça ? On peut dire que vous êtes vraiment beau, ça. Ok ! Ok, très bien. Et là, pareil. Oh. Comment avez-vous fait ça? On peut dire que vous êtes vraiment costaud. Je dis tout le temps la même chose, je vais arrêter de lire. Hop. Donc du coup, ça nous amène ici. Très bien, très bien. Ça nous amène ici. Ah, Mario qui est... Ah, j'ai oublié... J'ai oublié les patterns. Quand ça va vers l'avant, ça va vers Luigi. Et quand ça va vers l'arrière, ça va vers Mario. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Ah, c'est... Ouais, lui, c'est comme les haricots. Mais il se transforme. Et il faut le taper dessus avec un marteau, du coup. Là, ça va vers l'avant. Ça va vers le... Ok, ça va vers Mario. Quoi ? J'ai rien compris, alors. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le taper comme ça. Comme ça, il va redevenir normal et il va pas poser problème. Ça me paraît être une bonne idée. En plus, on se débarrasse de lui juste là. Magnifique. Non. Juste, on lui saute dessus. Voilà, parfait. Oh, on s'en est bien sorti. Et Mario qui passe niveau 27. Parfait. Parfait, parfait. En vrai, qu'est-ce qu'on lui augmente? On lui augmente sa vitesse et l'ébullience. Son attaque, elle est peut-être un peu en retard. Par rapport à Luigi, niveau PV peut-être, PV ou PF, je sais pas, j'augmenterai bien ces PF en vrai, ces petits PF là. Oh, en plus, +5, magnifique, magnifique, j'ai eu de la chance, là non, oh, ça fait quoi ça? Ah, d'accord. Et là, ça nous amène là, d'accord. Et là, ça nous amène où? Un super champignon, très bien. Un pois ouf. Ah, ok, c'était pas la pointe. Je dois faire un truc, je re... Pas de soucis, mon Itadakimasu. Pas de soucis. A tout à l'heure. Hop, et là. Ouais, du coup, attendez. Et si je vais par là? Est-ce que ça passe? Non, j'ai pas l'impression que ça passe. Hein. Non, c'est pas bien grave. Hein. Hop. Ok. On va continuer comme ça. Non, bah on va suivre le chemin normal. Hein. Complexe ce level un petit peu. Ouais. Là, je... Beaucoup de choses à faire quand même pour avoir juste une petite étoile. Un fragment d'étoile. J'espère que ça va pas être ça constamment. Bah, écoute. Les niveaux aquatiques sont toujours les pires sur Mario, c'est la tradition, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, tu as totalement raison. Ah, mais du coup, Luigi, il est grave en avance, en fait. Là, du coup, je crois qu'il faut faire avec Luigi, j'imagine. Ouais, non, là, j'ai été trop nul. Ok. Ah, c'est là qu'il faut descendre, j'avais pas vu. Ok. Là, j'imagine qu'il faut inverser. Ouais, ok, c'était ça. C'est ça. Est-ce qu'on a de la chance, on y arrive? Ok, magnifique. Magnifique, même pas besoin de se concentrer. C'est vous, ça. Oh non, pas cela. J'ai pas envie. Là, c'est même pas genre... je peux pas, j'ai pas envie. Attendez, là y'a rien. Là y'a ça. Mais on peut pas faire grand chose avec ça en vrai. On peut pas faire grand chose. Mais y'a plein de trucs. C'est vrai que là depuis tout à l'heure, j'esquive pas mal de combats quand même. Hein. Peut-être que je fasse plus de combats. Ah yeah. Ton marteau est pas assez amélioré. Non, pas encore. Wow, pardon! Non, oh le bâtard!
Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ils m'ont mis trop mal. Ils m'ont mis trop mal, attends. Je peux pas leur brûler leur bâton ou un truc comme ça? Ah non, ça leur redonne de la vie carrément. Yes. Ok, ça va. Ok, ça va. Ok, ça va, j'ai réussi. C'est faisable encore. C'est faisable, c'est faisable. Bah, je vais faire marteau. Hein. Pourquoi je fais marteau alors que saut, ça fait plus de dégâts dans tous les cas? Ok. Et lui... Il me t'a dit... Oh, putain, je pensais pas qu'il me tapait directement. Je pensais qu'il me viserait après. Là, il faut que je prenne aucun dégât, en vrai. Oh là 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 là. Ok. Jusque là, tout va bien. Ok. Ok, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ça peut le faire. D'être pas... Ouais, 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 d'ouf. Non. Non. Non, j'avais géré. J'ai juste mal géré. Non. Deuxième mort. Deuxième mort de ce soir. Oh là là. Ah mais non, c'est chiant en plus pour refaire ça. Pour refaire ça. En... Bon, ça va. Ça, c'est pas ultra compliqué. Ça va, c'est tranquille. Et là, on le fait avec de la chance. On fait avec de la chance, sinon j'y arrive pas. Ok. Ok, c'est bon. Magnifique. Magnifique. Allez. Ok. On essaie tout ça. Ouais. Bon, du coup, il y avait ça. Je sais pas trop. Ah, mais voilà, ok. Peut-être. Non, ok, c'était pas ça. Ouais. C'est pas à la même hauteur, donc c'est pas ça. Mais je suis presque sûr, ouais, non, on peut pas tester ça. Hein. On peut pas tester ça. Ouais, ça sert à rien. Bah, on est rebloqué, hein. C'est pas possible. On est bloqué constamment, c'est quoi ce bordel? Objet mystère 2, bloc mobile. Si vous touchez ce bloc en tournant, il se déplace. Ah. Ah. Bah non. Ah. Ah mais il s'est bien déplacé là quand même. Là il s'est plus que déplacé, là il n'existe plus le ref. À moins que... Non bah non. Perdu. Tu peux pas retourner améliorer ton marteau? Bah ça doit être possible. Ah attends. Et si je fais ça du coup? Ah attends. Attends, attends. Ok. C'est peut-être pas par là, mais au moins on est dans un autre chemin. Au moins on est dans un autre chemin. Allez, vous pariez combien là? Vous pariez à combien de nombres? Moi je dis... En vrai moi je crois en mon 25. Hein. Et toi aussi tu crois en ton 25, magnifique. Moi j'y crois. J'y crois, j'y crois. Si je fais plus que 25... Je suis trop fort. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Non! Ah là 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 là. Ouais. Là on peut pas faire ça, d'accord. Ok. Et là, ok, il y a deux chemins. Il y a trop de chemins possibles. Il y a trop de chemins possibles, c'est abusé. Attendez. Il y a trop de chemins possibles. Là, il faut sûrement aller là. On va pousser comme ça. On va pousser comme ça. Ok. Jusque là, tout va bien. Ah non, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'est pas ça, et je viens de comprendre. Je viens de comprendre. D'ailleurs, t'as fait la mage de cerveau réflexe. C'est-à-dire, je savais pas que j'avais besoin d'une mage cerveau réflexe. Non, 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 je l'ai pas fait malheureusement. Je l'ai pas fait, mais je devrais. Je l'ai pas fait. Hop. Donc, du coup, comme ça. Comme ça. Bah, non, c'est pas ça non plus. Mais je suis un débile mental, c'est pas possible. Attends,
Si je le pousse comme ça. Ah non, ça me bloque. Je crois que je suis con. Je crois que j'ai vraiment besoin de la magie. Ouais, c'est ça. Et après, tu fais comme ça. Et après, tu fais comme ça. Ok. Ok, c'est bon. Et après, tu fais hop. Voilà. Non! Vive les mages. Vive les mages. Hop là. Aïe, aïe, aïe. Hop, ok. Maintenant, on inverse. On se met comme as. Ok. Ah, et ça va me débloquer une partie du chemin. D'accord. Et donc, du coup, on va aller de l'autre côté. Ça va débloquer l'autre partie, j'imagine. À moins qu'on puisse y aller directement. Ah, c'est bien ce que je me disais. Il manque juste une partie. On va sauvegarder, du coup. On va en profiter, on va sauvegarder. C'est toujours une bonne idée de sauvegarder. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas mal. Ça fait toujours du bien de sauvegarder. Pardon. J'arrête pas de bailler ce soir, c'est fou. C'est fou ça. Là bah j'imagine que ça va être la même, sauf qu'il va y avoir des trucs comme ça qui vont nous casser les couilles. Yes. Encore le truc à la con derrière. Je vais tenter le marteau, tiens, sur lui. C'est une brindille, ça devrait... Non. Pas. Ok. Ok. Ah, ça c'était sûr qu'il allait taper au bout d'un moment. Et attends, si le feu ça a redonné de la vie, normalement l'électricité c'est censé faire mal. Non, ok, ça fait pas tant de dégâts. Ah, trop tôt, putain, je suis trop nul. Je suis trop nul. Pourquoi je suis marteau? Bon, ça va, on s'en est débarrassé. On s'en est débarrassé, ça va. Et eux, c'est pas les plus difficiles. Yes. Je sais jamais de quel côté ils vont taper. Je sais jamais. Béon. Béon. Allez, encore une fois. Magnifique. Magnifique, magnifique. Hop et là, voilà, parfait. Ça va, je commence à avoir un peu le truc. Ok, on s'en est débarrassé. Et Luigi qui passe niveau 28, mais il est incroyable. Ah ouais, donc Luigi était bien en avance quand même. Luigi était pas mal en avance. J'ai envie d'augmenter son attaque quand même. J'ai envie d'augmenter son attaque. Oh, 5 en plus. Oh ouais, on se met bien. On se met trop bien. Yes. Yes. Aïe, aïe, en plus, c'est le même combat. Non. Allez, on va lui sauter dessus à lui. Ok. Ok. Je sais jamais de quel côté ils vont taper. C'est trop chiant. Je sais jamais de quel côté ils vont taper. En vrai, c'est celui-là qui fait le plus de dégâts, donc autant essayer de s'en débarrasser. Ah, oh, c'est pas possible. J'arrive pas du tout. Hein. On va continuer à lui sauter dessus, ok. Hop là, ok. En fait, du coup, ma strat contre eux, c'est juste genre préparer les marteaux des deux côtés et puis taper. Hein. En vrai, c'est le plus simple. Hein. C'est le plus simple. Hein. Autour de Mario, normalement lui il devrait mourir. Ok, parfait. Hop, on prépare les deux marteaux, voilà, parfait. Parfait, ouais, non, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Non, pas encore, ouais, c'est bon. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais, oh, il y a trop de chemin partout. Il y a trop de chemin partout, c'est trop chiant. C'était bien quand il n'y avait pas 1000 chemins, genre. C'était rigolo, genre, j'aimais bien, je passais un bon moment. Là, il y a beaucoup trop de trucs. Comment c'est possible? Enfin, comment ça se fait? J'ai l'impression de me faire entuber. Ouais, comme ça. Du coup, on va par là. Voilà. No, et bonsoir, mon Xenoval, comment tu vas? Comment tu vas? Oh, encore eux. Vers l'avant, c'est vers Luigi. Je crois. J'ai un doute. J'ai un mini doute. Je ne sais plus. En vrai, autant se débarrasser de lui. C'est lui qui va nous attaquer dans tous les cas. Yes, j'ai pas pu sauter la deuxième fois. Ok.
Ok, ok. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très très bien, on continue notre aventure. Ok. Là, il va vouloir taper, mais ça fait... Ouais, ok. Et la main, est-ce que ça leur fait du dégât, la main? Non, ça fait pas tant de dégâts. Hein. Il fait plus de dégâts, Luigi, mais ça fait pas tant de dégâts, quoi. Ouah. Oh là 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 là. Hop, hop, hop. Oh, il était vénère, là. Ok. C'est fou, le focus sur Luigi, quand même. On va lui sauter dessus. Oh, let's go. On va lui sauter dessus aussi. Kamehameha de Luigi, carrément. Carrément, carrément. Hop et là. Hop et là, parfait. Parfait, parfait. Bon, ça va, cette attaque, elle est pas si chiante à... Yes, là, par contre. Là, j'ai été carrément mieux. Hop et là. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il... Il contre-attaque à chaque... Bah, il contre-attaque à chaque fois, quoi. Ok. Oh, mais il y en a encore un autre, quoi. Mais non, oh là là. Oh là là, what the fuck, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Vers l'arrière, normalement, c'est... Ok. Ah, mais j'ai plus de vie. Vers l'avant, normalement, c'était Mario, mais je suis plus pire de rien, moi. Attendez, mais c'est quoi? C'est quoi ce truc? J'ai fait du 16. Ok. Je vais tenter la main. En vrai, il me fait peur. Il me fait peur. Ok, magnifique. L'électricité, ça lui fait du dégât. Yes. Yes. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de roquettes. Au bout d'un moment, il sera peut-être useless. Yes. Ah là là. C'est trop compliqué de prévoir ce qu'ils vont faire, eux. Non, mais non. 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 Bam. Bon, ça va, on se débarrasse de lui, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, là, ça viendra forcément sur moi au bout d'un moment. Yes. Un plaisir, hein. Un plaisir. Ah, j'arrive pas, hein. J'arrive pas du tout. Je vais me remettre de la vie, je suis obligé. Je vais me remettre un peu de vie. Ta neige, oui, t'inquiète pas. Je ne vais pas mourir. Je vais pas mourir, je te promets. Ça se trouve, je suis même pas dans le bon chemin, en plus. Non, mais non, mais je suis trop nul. Tu fais pas d'effort, voyons. Bah là, c'est... Ouais, non, là, c'est pas moi qui fais pas d'effort, là. Ah, attends, comment ça? C'est compliqué, d'accord. C'est compliqué, d'accord. Je me remets peut-être petit à petit bien. On les tapera juste après. Non, mais non, mais non, mais non, mais... Je sais que je fais trop tôt. Ok. Encore trop tôt. Je suis pas doué, d'accord. Ça arrive aux gens de pas être doué, d'accord. Je sais plus si ça leur mettait... Non, ça les mettait bien. Aïe, aïe, t'es mauvais. Je sais, je sais, je sais. Ok. Faut que j'attende un petit peu. Non, pas du tout. Ok. Ok, 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 ok. Aïe, aïe, aïe. En plus, tu les régènes. Mais ils avaient pas pris de dégâts pour l'instant. Ils avaient pas pris de dégâts. Ça va. Ça va. Ça va, ok. Ok. Non, trop tôt. Oh là là. Ok, non mais trop tard. Oh là là. Oh là 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 là. Je suis d'un nul. Je suis d'un nul. Quand ils se mettent au milieu, j'ai l'impression que ça va vers l'arrière. Ah putain, je suis trop nul. Ouais, quand ils se mettent au milieu, ils vont vers l'arrière. Et ça fait vloup vloup vloup. J'ai l'impression que ça fait ça. C'est mon impression. Première fois que j'utilise ce surnom, mais t'es nul. Aïe, 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 aïe. Là, il est au milieu. Ça va vers l'arrière. Et ça fait papapa. Donc, je le fais trop tôt. Ah, mais j'ai l'impression qu'il me baisse mon attaque, là. T'es pas bon, t'es mauvais. Je sais, d'accord. Comment ça? Chance 4. Hop. Non, je suis trop lent. Ah, mais je crois qu'il me baisse mon attaque depuis tout à l'heure, hein. Je crois qu'il me baisse mon attaque depuis tout à l'heure. Ce qui me pose un peu de problème. Hein. Ce qui me pose un peu de problème, quand même.
si on regarde à côté du de la vie de Luigi. Ah, oh, punaise, j'étais presque bon. J'ai une baisse d'attaque, je crois. Ok, c'est bon. Arrête de croire conclu. Comment ça? Ok, lui il est mort, c'est déjà ça. Ce sera déjà un peu plus simple. Mais ça veut pas dire que c'est fini. Ça veut pas dire que c'est fini, c'est ça le pire. On va tenter le marteau, hein. 29, ok, ça va. Je crois que j'ai plus de baisse. Ok. Ok, c'est bon, je commence à l'avoir, c'est bon. Bam, ok, c'est bon, magnifique. Vous voyez, on meurt pas nous ici. On meurt pas. Ça n'existe pas la mort pour nous. Ça n'existe plus. Parce que ça a bien existé. Niquez vos mères, j'en ai marre. Là ça va vers l'arrière, donc c'est Mario qui va prendre. Ok. Ok. Là milieu vers l'arrière, c'est Mario qui prend. Ah punaise. Ok. Ok, très bien. Bah du coup je vais faire saut sur eux et je vais faire de l'électricité sur celui derrière. Le bum. Parce que ça fait trop mal. Mais attendez, c'est Luigi qui a tapé et pourquoi il s'attaque à Mario? Enfin, il a commencé par s'attaquer à Mario. Mais attends, mais il a plus rien là. Mais il sert plus à rien là. Là, il est au milieu. Ça va vers l'arrière. Là, il est au milieu. Ça va vers l'arrière. C'est Mario qui va prendre. Yes. Yes, yes. Je sors de l'ombre depuis 2 semaines environ, c'est vrai. C'est vrai. King, il est souvent là à parler maintenant. C'est une vérité véritable maintenant. Ok, c'est bon. Bon, ça va, il nous en reste plus qu'un. Ok, ça va, j'ai réussi. Puis je vais pas laisser ta neige parler seule, sinon c'est pas cool, mais heureusement t'es là avec Xeno. Pourquoi? Non, ça va, je le vis bien, t'inquiète pas. Hein. Je le vis bien. Ah, voilà, bon, ça s'est un peu mieux passé. Bon, j'imagine que la suite, c'est là. Pizza, ananas, non. Non, il n'y a pas de ça ici, la pizza ananas, c'est pour les gens qui n'ont pas de goût, gustativement parlant, hein. Continuez de parler, c'est bien de te voir, c'est clair. Pizza ananas, c'est fou ça. Il est fou ce King. Je rapporte le repas et le dessert, oh mon dieu. Ce mauvais goût. Normalement c'est bon. Ok. Et donc là ça nous débloque bien par là. Très bien. J'espère que ce sera pas aussi long pour tous les trucs. Le truc d'étoile, hein, parce que là. Fou quand même. Hein. Oh fou. Aïe. C'est pas moi qui est fou, t'as neige, c'est Xeno. C'est lui, mais il mode pizza ananas, mais il est fou. Il est fou ce Xeno, il est fou. Ok. Non, me dis pas que ça sert à rien. Non, j'y crois pas. Non, mais non. De faire Dragon Quest 8 sur Citra Banger. Oh. Mais attendez, mais tout ça pour rien? Genre vraiment? Et si je vais par là, y'a rien. Mais c'est quoi cette blague? Flop. Attendez, y'a vraiment rien? J'ai une idée. Mais y'a aucune chance que ce soit ça en vrai. Non, c'est pas ça. Bien utile les nouvelles émotes. On est d'accord. J'ai bien fait. Attendez. Ah, j'ai peut-être une petite idée. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça. Si j'amène ça par là. Non, ça n'apparaît pas ici. Hein. Ah non, et ça irait jusque là, donc ça peut pas être ça. Ah non, c'est pas ça. Je vois tellement pas ce que je suis censé faire. Mais genre vraiment, c'est tout?
c'est pas ça. Mais j'ai pas fait ça pour rien, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas fait tout ça pour rien. Ou alors il y a un truc que j'ai pas débloqué, ça c'est possible. Il y a un dernier truc que j'ai pas débloqué peut-être. C'est possible en vrai. Et par là... Ah bah non, là il y a ça. Rien n'est impossible, ta neige. On est d'accord. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. J'ai dû louper quelque chose, c'est obligatoire en fait. Yes, j'ai pas bien réagi. Ok. Ok. Putain, comment on a enchaîné? Trop bien. Béom. Et rebéom, non? Béom. Sur la soluce, le pont mène quelque part. J'ai dû oublier de faire un truc, hein. Doit y avoir un truc que j'ai pas fait, tu sais. C'est possible. Doit y avoir un truc que j'ai pas fait. Ah mais attends, je peux pas le faire. Ça c'est dans le mauvais sens, je peux pas le faire. Rien n'est impossible sauf voir Donald Trump de nouveau président. Ça c'est toi qui le dis, hein. Non mais... Attendez, là il y a ça qui est pas mis. Il y a ça qui est pas mis et là il y a un point par là. Attendez. What the fuck? Oh, je suis perdu. Attendez. Je suis perdu. Une question car j'écris et j'ai pas fait gaffe. T'as poussé une boule de métal ou pas? Non, j'ai pas poussé de boule de métal. J'ai pas le souvenir d'avoir poussé une boule de métal. Non, j'ai pas du tout le souvenir. Sur cette map, non. Non, non, non. Non, je n'ai pas poussé de boule de métal. Non, j'ai pas poussé de... Bah alors voilà, il te manque quoi. Une boule de métal? Mais je vois pas de boule de métal, moi. Je vois pas de boule de métal en fait, c'est ça le problème. Sauf associer des positions, des positrons et des négatrons avec des ions. Ah ouais, carrément. Non mais non, c'est pas ça que je voulais faire, je suis con moi. Hop. T'as vu un bloc violet? Non. Un bloc violet? Un bloc violet, non. Et salut mon Kiboko, comment tu vas? Comment ça va? Mon film était trop bien, qu'est-ce que c'était ton film? Qu'est-ce que t'as regardé comme film? Oh non, j'ai pas envie de les combattre en vrai. Ok. Mamma mia. Donc cherche mieux ta neige. Creed 3, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ça. Bah écoute, si t'as passé un bon moment, magnifique, je suis content pour toi, je suis très content. Même partir de moins de bananes, point de... Toujours non existante égale 4 bananes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, on sent les traumatismes du coup du collège, ça. Ça, c'est du collège. Un bloc violet, mais what the fuck, hein. Tout le monde demande à Kiro, il regardait quoi? Ça fait 3 jours, il en parle. C'est vrai. Mais un bloc violet, mais... Je vois pas de bloc violet, moi. Je vois pas de bloc violet, hein. Je ne comprends pas. Je suis... Je pense que je ne suis pas... Un bloc violet? Non, mais...
Je suis un abruti. Non mais non. Hop. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Bon, ça aurait dû faire des dégâts au Goomba. Hein. C'est passé sur le Goomba quand même. Hein. Non. Tu veux bien retourner? Ouais, voilà, merci. Par sauter dessus pour essayer de lui faire du dégât là. Ok, ça va. Là, on va faire pareil, on va faire saut. Hop, sur lui. Bam. 47, il est trop fort. Il est trop fort, toujours trop tôt. Je suis trop nul. Je reviens et étané, j'ai paumé. Ah là, je suis plus que paumé là. Là, c'est violent la puissance à laquelle je suis paumé. Là, je comprends même pas ma vie là. Je me pose plein de questions là. Punaise, mais je fais toujours trop tôt avec Mario. Avec Luigi, des fois ça passe. Mais avec Mario, j'y arrive pas. J'y arrive juste pas. Hop là. Et donc, du coup, là, on va le martyriser avec le marteau. Voilà, parfait. Et encore une journée découlée sans avoir utilisé le théorème de Thalès. Je ne perds pas espoir. À partir de l'endroit où il y a le pont, va à gauche, puis en bas. Je t'aide un peu. D'accord, bah merci beaucoup. Merci, tu fais bien de m'aider parce que... Franchement, je voyais pas. Hop. Donc le moment où il y a le pont, je vais à gauche, puis en bas. Puis en bas. Car il a des mini problèmes un petit peu, ouais. Et donc ça fait ça. D'accord, ok. Faut que je le fasse rapidement. Allez bâtard. Hop. On pousse ça. Ok, pas de soucis. On saute, et parfait. Et là ça débloque ça. Ok. Voilà, maintenant bonne chance à Neige. Merci, c'est gentil. En vrai j'aurais jamais trouvé tout seul. Bon, il y a plein d'endroits où est-ce que j'aurais juste pas trouvé tout seul. Hein. Wow, calme. Calme un peu. Calmez-vous un peu. Quand une journée passée à utiliser le théorème de la coupe de pizza. Magnifique. C'est bien ça. T'as mangé pizza du coup tout à l'heure, 19h. Bravo, c'est bien de manger des pizzas. Ouais. Ok, jusque là tout va bien. Non, j'ai mangé œuf. Yes. Hop. Ok. Quoi? Comment ça? Mais comment? Ah, je viens de comprendre, c'est bon, je viens de comprendre, on va recommencer, je viens de comprendre. Ah, je suis un débile mental. C'est pas possible, je suis un débile mental. Et donc du coup, ça désactive ça, mais ça réactive ça. Ok. Jusque là, tout va bien. Hop. Ça, en vrai, on a 20 secondes, ça devrait le faire. Ça devrait le faire tranquillement, ouais. Hop. On fait là comme ça. Ok. Hop et là. Ok. On ressaute ici, parfait. Et là-bas, faut pousser la boule tout au bout. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis trop nul. Est-ce que ça va passer? Ok, non! Non, j'étais en train d'appuyer, non! Aïe, je reviens dans 15 minutes, le temps de rentrer à tout. Pas de soucis. Oh, je suis trop nul. Aïe. Oh, je suis trop nul. Bonne route à toi, ouais, c'est vrai, t'as raison, mon King. Bonne route à toi, mon Kiruko. Bonne route. Hop, et là. Ça, on pousse. On recule un petit peu. On fait ça. Jusque-là, tout va bien. Ok. On en profite, on change déjà. Demain. Ok. On charge, on fonce.
On ne recule pas, on ne recule pas devant l'adversité. Allez, 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 grouille-toi. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai réussi. Putain, c'était pas si facile, hein. Le théorème de l'œuf, c'est on sait que la poule ou l'œuf, on utilise poule égale par œuf, donc selon la loi d'addition numérique des espèces, poule est égal œuf plus temps, donc œuf est égal temps plus force mystique, donc œuf né avant la poule. Comment ça? Quoi? Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que quoi? Quoi? Comment ça l'œuf avant la poule? C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Alors attendez. Du coup on revient là. Là on passe là, ok. Et on arrive là. Bon, est-ce qu'on va réussir à avoir cette putain de partie d'étoile au bout d'un moment? Ou est-ce que ça va pas le faire là? Moi je dis ça va le faire quand même. Prépare-toi ta neige. Ah. Ok, je me prépare. Ok, je me prépare. Je me prépare et on re-save là-dessus. Mets-toi des vies sinon si besoin. Ouais, on fait ça. Aïe aïe aïe. En vrai, je vais pas vous mentir, je suis un peu fatigué ce soir quand même. C'est cool, au moins je me couchais tôt, vu que je me lève tôt. Oh! Ah ouais, un boss du coup. Wesh! Attends quoi? Dites-nous, Krustasov, que pensez-vous de ceci? Oh, vous avez du talent, je le sens. Quoi? Êtes-vous venu pour nous aider à décorer? Habillé en rouge avec une moustache, je pense. Seriez-vous le Père Noël? N'importe quoi. T'as vu ça, j'ai appris un truc qui change complètement ta perception de l'univers. Ah ouais, carrément. Un Krustasov, qui a-t-il? Oh, ça alors, en l'examinant d'un peu plus près. Il est habillé en rouge, sa moustache brille, seriez-vous? Waouh, ce saut! Alors c'est ça, vous êtes le célèbre Mario du Royaume Champignon. Mario du Royaume Champignon est là, arrêtez de décorer, venez plutôt faire la fête. Wesh. Waouh, c'est vrai, c'est lui, je peux toucher sa moustache. Ce saut-là était formidable. Quand je vais raconter ça aux autres, ils ne vont pas en revenir. Oh. Qu'est-ce qu'il fait au milieu? Il est bugué là, le Mario. Mais, et ma décoration? Et vous accompagnez Mario, n'est-ce pas? Attendez, habillé en vert avec une moustache. Seriez-vous par hasard le célèbre frère qui reste toujours à la maison? Luigi? Une expérience rare. Quel âge avez-vous? Êtes-vous un homme? Quel est votre tour de tête? Ok, tour de taille. Votre plat préféré? Aïe aïe aïe. Il est pas content. Ah, à cause de vous, ma décoration est ratée. Si vous cherchez des histoires, vous allez être servi. Ah ouais, du coup on va combattre, ok. Ok. Vive le vent d'Audi. Let's go. En vrai de vrai, frère feu. Oh. Oh, je ne connais pas ça. Oh, faut que je spam. Ok. Oh, en vrai, ça pourrait faire pas mal de dégâts. Hein. Ok. Non. Ok. D'accord, très bien. Et frère tonnerre du coup. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis un abruti. Ok, non. Là, il va le faire, ok. On lui saute dessus, ça lui a fait du 12. Ça fait vraiment franc. Il est temps d'accélérer les fautes. Ah, il a un cheveu sur la langue comme la machin de la dernière fois. Mais what the fuck?
Ok, yes. Un plaisir. Du 8 carrément. Ça fait mal. Là il faut que je spam. Ok, j'ai spammé. Ok. Ok. En vrai, ça fait pas tant de dégâts que ça, hein. Ça fait que du 1, c'est pas terrible. Le célèbre mec random qui... J'ai pas eu le temps de voir. Le célèbre mec random qui fait la cuisine quand Mario va draguer Peach. Aïe aïe aïe. Bon allez, en vrai celle-là, on va la réussir cette fois-ci. Ok. Non, je pensais qu'il fallait faire... Ah du coup... Deux erreurs. Là il va le faire, ok, on lui saute dessus. Ok, il va pas le faire, là il va le faire, ok, on lui saute dessus. En vrai il est pas très compliqué hein. En vrai ça va, il est tranquille. Moi je le trouve plutôt simple. On va faire l'hélico. Yes, 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 j'adore, j'adore rater. Là il va pas le faire, là il va le faire, ok, on saute. Il y a un petit crabe. Mais bon, il y a des petits crabes qui passent depuis tout à l'heure. Bon du coup, B, B, B du coup, non. Ah ça lui fait du gros dégât, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok, j'ai cru que c'était un peu tôt mais ça va. Ok. J'aime bien la musique maintenant. On va refaire l'hélico. Cette fois-ci je vais pas faire de la merde. Ok, magnifique. Ça fait pas mal de dégâts. Mince. Ok. Jusque là tout va bien. Bon cette fois-ci je vais bien réussir. Donc B, B et B. Ok. Attendez, on n'a pas fait du 1014 quand même. On n'a pas fait du 1014. J'ai vu 1014. J'ai vu 1014. Je suis le seul à avoir vu 1014. Par contre, Mario, il prend cher. Il y avait 62 862 chiffres, oui. Comment ça se fait? Comment c'est possible, en fait? Ok. Ça a fait pas trop mal de dégâts. Ça va. Là, il va taper direct. Ok. Très bien. Bon là du coup faut pas que j'oublie, c'est full B. Ok. Ah ouais, là c'était du 1012. Hop et là. Ok, très bien. Non j'arrive pas hein. J'arrive pas. En vrai c'est compliqué de voir de quel côté il va taper. Surtout ça. Ah et du coup je prends cher. Je prends cher, ça c'est pas cool. Ok. Il a une pince qu'il n'utilise plus maintenant. Ok. Aïe aïe aïe. En vrai, on n'est pas très bien. Mais du coup, j'imagine que main, ça doit lui faire pas mal de dégâts en fait. Ah non, même pas. Seulement le truc frère de mes couilles qui. Non ! Mario ! Mario va mourir ! Non ! Il aurait fallu que je le soigne. Ah, il aurait fallu que je le soigne. Non, et là c'est Luigi qui prend. Ok, est-ce qu'il résiste? Ah non, il prend du 8. Et en vrai, là, si je le soigne pas, c'est la mort, quoi. C'est la mort, quoi. Je pense, hein. On va utiliser un champion 1-up pour une fois. Ça va. Ça va, pour une fois. Yeah. Oh, nouvelle attaque. Attention. Ok. Rend 20 PV à chacun. On va rendre 20 PV à chacun, ça me paraît être une bonne idée. Dans tous les cas, Mario il fait pas grand dégâts. On va tenter le marteau. Ouais non, ça fait pas grand chose. Il récupère sa vie. S'il nous arrange pas des masses en vrai. Je vais tenter l'hélico hein. Oh non, je me suis loupé. Sur la toute fin, je me suis loupé. Et si je fais main. Non, ça fait rien. Récupère juste sa vie là. Ça m'arrange pas des masses hein. Tenter le saut. Boss pas si compliqué, mais c'est un tank. Ah. Ah.
Mais pourquoi je fais des sauts? Je suis con, moi. Et il récupère toute sa vie. Et si je fais main? Là, ça peut le brûler en soi, non? Non, ça fait... Ah si, voilà! Ok, que faites-vous avec ma jolie décoration? Arrêtez! C'est bien ce que je me disais, ok. Bon, là, du coup, il a récupéré pas mal de vie parce que j'étais assez con. Ok. Non, trop tôt. Ok. Ah, il réattaque. Ok, ça va. Ça va, c'est tranquille. On va remettre un peu de vie à Luigi, en vrai. On va utiliser un super champignon. Ça va. Hop. Bah, on va continuer avec les frères Pony, en vrai. Mais en fait, j'ai l'impression que je tape constamment au même endroit, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut que je tape ses pinces, en fait. Il faut que je tape ses pinces, en fait. Ah, et là, ces deux pinces, elles sont... Ces deux pinces, elles sont bloquées. Ah non, là, j'ai qu'un seul choix. Hein. Et ça, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé. Je me rappelle même plus de ce qu'il faut faire. Ok, oh, 54, pas mal. Pas mal, pas mal. On peut pas faire de Dark-type Bros, ok. Bah, on va aller faire du 34, ok. Là, il re-rentre dans sa coquille, on va lui faire du feu, du coup. On va lui brûler. Hop, ok. Comme ça, il ressort, ok. Pourquoi Luigi et Rose? Bah, il est en souffrance. Il est en souffrance, il est pas bien. Il est pas bien du tout. En vrai, main, ça fait pas énormément de dégâts. Ah, mais si, là, j'avais le choix entre taper directement ou... Ah, bah voilà, bah, magnifique. Magnifique. Bon, bah, on aura réussi assez facilement, en fait. Ce qui est assez simple, en vrai. Ah, yeah. Ça fait 10 minutes, on est sur le boss qui vous rend fin. C'est vrai. C'est vrai, c'était assez simple, mais c'était long. C'était assez simple, mais c'était long. J'ai augmenté les PV de Mario, quand même. Parce que... Il est mouru, quand même, je crois. Je sais plus. Ou alors c'est Luigi qui est mouru. Non, c'est Mario qui est mouru. Merci pour les GG. Adorable. Adorable, adorable. On va mettre un peu plus de points frères à Luigi parce que bah, ça nous a posé problème en fait. Au bout d'un moment, on pouvait plus utiliser de points frères, donc un peu problématique. Aïe. Krustasov, vous êtes fou. Pardon, c'est notre faute. Il y a certainement une raison à votre venue ici, n'est-ce pas? Je suis mort de rire, j'ai la seule daronne qui est capable de se perdre alors qu'on est au bout de la rue. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est quoi ce bordel? Quoi? Le poids de Krustasov? Qu'est-ce que ce poids a de tellement important? Waouh! Tu as entendu Krustasov? Si c'est ça qu'ils veulent, alors je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Ah, magnifique! Le premier bout de Végétoile récupéré, remonit Tadakimasu. GG nul sinon, merci. Merci mon Kiruko. C'était plus long que prévu, il n'y a pas de souci. Pas de souci mon Itadakimasu. La Végétoile, il vous reste encore 3 bouts à trouver. J'étais pourtant si bien décoré. Mais nous avons vraiment essayé. De quoi, vous partez déjà? Je ne vois pas pourquoi vous ne restez pas vous reposer. Comment ça? Les vedettes sont des gens occupés sans aucun doute. Si vous repartez, ce chemin est un raccourci. Comment ça? Comment ça c'est un raccourci? Pourquoi on n'est pas passé par là de base? Ah, peut-être parce que c'était bloqué. Ça c'est une possibilité. GG, premier fragment en 2 heures de live. Ouais? Ah, peut-être pour ça qu'on n'est pas passé par là de base. Ok, ça me rassure. Ça me rassure un peu. Là, il n'y a pas de chemin, ok. Ah, mais oui, je m'en souviens. Aïe, aïe, l'attaque, un petit peu. Ça va, je le prends bien, vous inquiétez pas. Ça va. Hop, on fait une petite sauvegarde, comme ça on perd pas trop de temps.
Si jamais on meurt, encore une fois, bien sûr, la base. Aïe aïe aïe. Là, c'est pas des tacs, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En vrai, ce qui serait cool à faire, comme vous le savez, vendredi après-midi, on va faire les miniatures et tout des VOD. Ce qui serait cool à faire, c'est que vous commenciez à je sais pas, par exemple, écrire des trucs qui pourraient être cool à mettre sur la miniature de la VOD à chaque live. Genre par exemple ce soir, ouais, enfin ouais, ce soir on a récupéré le premier fragment ou ce genre de choses, tu vois. Vous voyez? Ce serait cool. Qui m'a contaminé à dire la base H24? Yes. Ça c'est Bougie, il va prendre. Ça date, ça. Ça date. Vers l'avant, c'est vers Luigi, ok. Vers l'avant, c'est vers Luigi, ok. Très bien. Bah on va leur sauter dessus, hein. Franchement, on va leur sauter dessus. Hop, ok. Là, il devient gros. On va le martyriser un peu. Hop, bon, bah il est bien. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Là, ça va vers l'avant. Ça va vers l'arrière. Voilà, je suis perdu. Perdu. Hop là, c'est bon. C'est bon, je commence à avoir le truc. Ça commence à venir. Vous allez voir. Ça commence à venir. Oh, let's go! Ça fait un moment qu'on n'a pas augmenté la moustache, tiens, ça me fait penser. Des étoiles, waouh! En vrai, elles sont chiantes, hein. Elles sont assez chiantes, c'est assez compliqué de savoir s'il faut faire. Enfin, en tout cas, je trouve, personnellement. Il disait même logique, H24. Oh, quel méchant personnage! Avant micro. Hop! Bon, du coup, on va repasser par là. Bon, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on connaît le chemin par cœur. C'est un point positif, je trouve. Aïe, je te mets des étoiles dans les yeux. Aïe, aïe, aïe. Hop! Hop! Putain, ça, c'est chiant, ouais. Bon, Luigi, allez! Pas possible. Mais du coup, est-ce qu'on peut re-rentrer? Non, on peut pas re-rentrer. Ok. Ok. Et là, on peut remonter. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Hop. Et on fait ça. Parfait. Magnifique. Par contre, du coup, je sais plus du tout vers où il faut aller. Peut-être aller voir l'autre, là, le papy dans le château. Ça peut être une bonne idée. Ils vont mourir noyés, mais non, c'est des squelettes, ils sont déjà morts. C'est des squelettes, ils sont déjà morts, ça va. Par là, non? Oh, je suis tellement perdu, c'est impressionnant. Ouais, je crois que c'est par là. Yes. Car j'ai écrit vite. N'importe quoi, les gars. Mais quel troller ce King là. Toujours, il troll un peu là. Bam. Oh, c'est violent, mais on les one shot tous, c'est fou. C'est fou ça. C'est pas par là le château? Oh, et du coup maintenant on peut débloquer ça. Maintenant on peut débloquer ça. Et ça nous fait un chemin ici. Bah, on va aller voir ça carrément. Là, ok. Ça nous amène où tout ça? Mince. Bah prends à lire le chimie. Aïe aïe aïe. Le fameux Kiruko. Qu'est-ce qu'il raconte dans le là? Ok. Ça doit pas être par là qu'il faut aller. Mais ça reste intéressant. Ça, t'as débloqué un coup de foudre avec les fesses de Mario carrément, ouais. Ouais. En gros, on est arrivé dans un endroit qui faisait des massages. Et elles nous ont donné des pouvoirs qui fait que quand j'utilise la foudre derrière, en gros, on peut se déplacer un peu comme on veut, comme ça. Et quand on fait l'inverse, on accélère comme ça et on peut pousser des charges lourdes, tout simplement. Pour le poste d'assistance, renseigné auprès de qui? Qui en avait fouillé, ouais. Massage fesses de Mario, carrément. De base, la base. Ah bah tiens, bah justement, mais magnifique. Mais magnifique. Eh oh! C'est trop dur, je n'y arriverai pas, j'abandonne. Encore un fragment, punaise, on est tombé au bon endroit en fait. Loulou, j'ai bu trop d'eau. Il va cracher son eau. Moi aussi, Théo.
Je sais pas lire le chinois. Oui, le canon de Mario, ça vient de sa coupe. Tenez, je lis le message de LGB si jamais. Ah, tu as déjà joué à Zelda Minish Cap, nul. Oui, j'ai déjà joué à Zelda Minish Cap. J'étais même allé jusqu'au boss de fin, mais j'ai jamais réussi à le battre. Jamais réussi à battre le boss de fin, malheureusement. Désolé, je suis passé à côté de ton message, mon douillon. Personne m'a suffisamment de volonté, c'est décevant. Bienvenue. Qui a le vrai génie de la mode? Vous le saviez? Non. Vous le saviez? Ouais, carrément. C'est trop compliqué, hein. C'est pas possible. Vous deux, vous êtes pas tenable. Non, ce n'est pas important. Vous êtes intéressé par le poste d'assistant peinture. Si vous travaillez bien, je vous paierai. Les honoraires sont... forcément. Un morceau de végétoile. Un poids tombé du ciel. Ouais, carrément. C'est pour moi un des meilleurs jeux Zelda sur console portable. Sur console portable, moi je préfère largement, c'est Link Between Worlds. Link Between Worlds, j'adore, je le trouve trop bien. La vie, j'ai la flemme de continuer à y chercher. C'est vraiment devenu du chinois. Bah, imagine, on était à chaque fois à côté en classe. Oh là 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 là, les pauvres profs. Oh là là. Quoi, vous discutez? C'est d'accord, alors, allez-y. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, vous pouvez m'aider à atteindre les vêtements, mais il faut être rapide et adroit. D'accord. Maintenant, permettez-moi de vous donner un conseil ou deux pendant que vous travaillez. D'abord, il faut boire de l'eau pour pouvoir arroser correctement. Une fois que vous êtes prêt à asperger, montez sur ces marques en forme de pied. Allez-y, essayez. Du coup, c'est Mario qui peut se remplir de machin. Mince, c'était pas ça que je voulais faire. Ensuite, il faut qu'il y ait Luigi derrière pour pouvoir... Maintenant, je vais vous expliquer le processus de travail. D'abord, colorer le vêtement. Appuyez sur le bouton B pour lancer une bombe à eau sur la bombette à couleur. Voulez-vous essayer, bien sûr. Ok. La couleur de la bombette. Ouais. Colore le vêtement. Pour information, si plusieurs bombettes à couleur sont touchées, la couleur du vêtement devient un mélange des bombettes à couleur qui ont été touchées. Souvenez-vous-en. Oh, encore une chose, si vous vous trompez de couleur en colorant le vêtement, venez me voir, je redonnerai au vêtement son blanc initial. Colorez puis choisissez le motif. Et aspergez d'eau la bombette à motif. Ok. Le motif de la bombette à... un motif. Ok. Modifie le motif du vêtement. Les différents motifs sont... rayé. Le motif à rayures. Le motif à poids. Le motif à carreaux, j'imagine. Ok. La meuf, c'est une machine à laver, oh mon dieu. Aïe, aïe, aïe. Et coucou Mathiel, comment ça va? Comment tu vas ce soir? Ok, j'écoutais encore un ou deux Max, d'accord. Et également, très bien, mais on est d'accord du coup, mon loup-garou. C'est ce qu'on dit, Tanej, du coup, on doit boire de l'eau pour t'arroser. Pourquoi? Comment ça? En sport. En SVET et chimie. D'accord. Les trois pires matières, salut Mathilde, la meuf, c'est une machine à laver, merde. Les meilleures matières pour moi, c'était histoire, français et allemand, comment ça? Ça va, j'ai fini mon exposé, magnifique, très bien, alors on pouvait dormir. Vu hier tu as dit que tu étais notre plante. Ah oui, c'est vrai, vu que vous devez me donner à boire, je suis votre plante, c'est vrai. Sans se faire gronder. Oh là là, vous êtes pas possible. À propos, si vous touchez deux ou trois bombes à motif, vous obtenez toujours un motif étoilé, souvenez-vous-en. Une fois le motif terminé, je vérifie qu'il est digne de ma vision artistique. Le processus de travail est comme ça. Et maintenant, terminez 4 vêtements pour moi. D'accord, c'est tout pour l'explication. Alors au boulot, utilisez du rouge pour le vêtement, mais le motif n'a pas d'importance. D'accord. Donc là, il nous faut du rouge. Ok.
Le motif. Ensuite, le motif n'a pas d'importance. Très bien. Le motif n'a pas d'importance, on met de l'étoile, nous. C'est celui-là, c'est bon, Coco. Ensuite, au prochain. Alors, pour la suite, je veux du jaune pour le vêtement, avec un motif à carreaux. Donc, du jaune. Il nous faut du jaune. Ok. Avec un motif à carreaux. Non, je me suis foiré. Je me suis foiré. Motif à carreaux. Je reste pas, il faut que j'aille me laver et essayer de dodo. Pas de soucis, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Motif à carreaux, normalement, c'est bon. C'est cela, c'est bon, Coco. Ensuite, au prochain. Alors, pour la suite, utiliser du violet pour le vêtement avec un motif à pois. Violet, motif à pois. Violet, c'est bleu et rouge, si je me trompe pas. Ok, violet, c'est bon. C'est plus du rose, mais pas grave. Et après, motif à pois. Non, 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 je me suis foiré. Non, je me suis foiré. Non, non, c'est pas bon, refaites-le. Utilisez du violet pour le vêtement avec un motif à pois. Ah, je me suis foiré. Aïe, 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 aïe. Petit bonne nuit, Mathiel. Lave-toi bien, Titi, des dodos bien. Bonne nuit à Mathiel. Mais la vie en sport, c'était cool. On a eu la chance d'avoir des profs de sport qui t'obligent pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Donc, du coup, du violet et à pois. Violet à pois. Non, ça a donné, ça a pris les deux. Non. Ah mais ça j'avais vu. Okay. Ah là là, deux fois que je loupe celui-là. Donc du violet. En plus j'arrive le violet à chaque fois, c'est fou ça. Moi j'avais la chance d'être dispensé en sport. Aïe aïe aïe. Bah bravo. Et donc du coup motif à pois. Non, je me suis loupé. Non, mais je suis trop nul. Je suis trop, trop nul. Du coup, avec les gens qui foutaient rien, on faisait nimp. Ah bah bravo. Je suis pas fier de vous. Je suis pas fier de vous, moi, je vous le dis. Hop, là. Ok. Je vais me concentrer. Allez, je vise mieux. Mais je vise bien. J'arrive à chaque fois à faire le violet, mais c'est le à pois que j'arrive pas. Et en fait, il y a toujours un autre qui se met au mauvais moment. Mauvais moment, pardon. Putain, trop nul. Je suis trop, trop nul. Je suis trop, trop nul. Imagine au foot, anti-foot. Aïe, aïe, aïe. Ah, je disais clairement au prof. Comment ça? Ah, tu es anti-foot? Itadakima, tu es anti-foot? Demande à Kim, je suis anti-foot. Ah ouais? Ah ouais? Carrément anti-foot. Comment ça se fait? Ok, non, ok, mince, j'aurais pu. Je disais ça sur eux. Oui, même c'est bien le foot entre potes. Entre potes, c'est trop bien. Entre potes, le foot, c'est trop bien. Perso, à la télé, ça m'intéresse pas des masses. Là, j'aurais pu... Putain, en vrai, le timing est serré, hein. Oh là là. Ok, non, ah, dommage. Ah, putain, c'est... possible, il y avait celui derrière. Le seul foot que j'aime, c'est Inazuma. T'as bien raison. Ah, j'y arrive pas, hein. Autant le violet, j'y arrive à chaque fois. Le violet, j'y arrive à chaque fois. Là, c'est facile. Mais le à pois, j'y arrive pas, hein. Ah non. Trop tard, hein. Là? Non, je suis trop nul aussi. La poêle, n'importe quoi. N'importe quoi. Allez. Ok, j'ai réussi. C'est cela, c'est bon, Coco. C'est bon, Coco. Ensuite, au prochain. Alors, pour la suite... Utilise du marron pour le vêtement avec un motif étoilé. Aïe 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 aïe. Non, t'as pas le droit, mon. T'as pas le droit, mon petit robot. T'as pas le droit, ici. Putain, ça va être chaud, marron. Hein. Marron, ça va être ultra chaud. Oh, je vois le moment où est-ce qu'on peut. Oh là là, j'étais pas loin. Avec motif étoile, là j'aurais pu. Ah là là.
Ok, correctif. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là, j'étais pas loin. J'étais pas loin du tout. Ok. Est-ce que c'est ça la strat? Non! Aïe aïe aïe. T'inquiète, Alors, comme convenu, je vais vous payer l'indemnité journalière. Ah, mais si, j'ai réussi! Ah, mais oui, j'ai réussi! Oh, let's go! Let's go, let's go! Alors, comme convenu, je vais vous payer l'indemnité journalière. Venez la chercher au bureau. Ah, merci, merci pour les GG. Ah, mais oui, c'est vrai, il suffisait d'avoir deux pour faire le motif étoile. Bah oui. Voilà le poids, prenez-le. Me dites pas qu'il y a plus, hein. Me dites pas que... Ok, c'est bon. C'est bon, on récupère. Le deuxième poids récupéré. Le deuxième. Vous avez obtenu un morceau de végétoile. Il vous reste deux à trouver. En vrai, là, j'ai eu de la chance, hein. Là, j'ai eu de la chance. On l'a trouvé assez facilement. On n'a pas cherché longtemps. Ça n'a pas été trop galère. Franchement, c'était le meilleur poids à récupérer, je trouve. Je trouve. On va faire une petite sauvegarde. Comme ça, on perd pas trop de temps. Voilà, parfait. Parfait, parfait. 2 sur 4, ça passe. En vrai, ouais. En vrai, en 2 heures, ça va. Hein. C'est tranquille. C'est tranquille, c'est tranquille. Hop. Par contre, du coup, je sais pas trop où est-ce qu'on doit aller. On va aller au château. On va aller au château pour voir ce qu'on peut faire. Ah, là, est-ce que ça débloque un truc? Ça débloque absolument rien. Ça servait à quoi de péter ce truc? Ça servait à rien. Ça servait à rien du tout, ça. Aéroport, ouais, on s'en fout. Nous, c'est pas l'aéroport qui nous intéresse, nous, on veut le château. Je sais plus comment on va au château. Objectif, avoir les 4 avant la fin du live, bien sûr. Bien sûr, ouais. Et je m'en sens totalement capable. Je m'en sens carrément capable. Par contre, je crois que je suis perdu. Hein. J'essaye de descendre depuis tout à l'heure pour arriver au château, mais je crois que je suis pas du tout sur le bon chemin. Et battre le boss, ouais bah ouais. Objectif de ce soir, finir le jeu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bam. C'est trop satisfaisant de one shot avec le marteau. C'est trop satisfaisant. Objectif, faire un autre game over avant la fin du live. Bon, ça devrait pas être compliqué. Ça devrait le faire, c'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes, ça va. Attendez, est-ce que ce serait pas... Bah non, là c'est l'aéroport. Ah, c'est peut-être plus haut. C'est peut-être plus haut. C'est facile, ça. Pour un truc hard. Non, c'est déjà assez hard, je trouve. Déjà assez hard. Battre le boss, ouais, bah ouais. Bah ouais, toujours plus. Aïe, aïe, battre le boss, c'est hard. On a déjà battu un boss, hein, techniquement, moi, je dis. On a déjà battu un boss, hein. Hop, et là. Surtout pour Nejuna, oh là là, tuer Luigi. Bien sûr. Faire en sorte que Mario y survive, mais Luigi y meurt. En vrai, c'est faisable, hein. En vrai, c'est carrément faisable, hein. C'est carrément faisable de tuer Luigi, même si c'est pas facile, en vrai. En vrai, c'est pas facile et c'est faisable. C'est faisable. Objectif, dormir avant minuit 19. Ça, ce serait bien. Ça, ce serait très très bien. Ça, je serais heureux, là. Là, je serais super content pour ta neige. Ah, ça serait bien, ouais. Ce serait très très cool. Mais bon, après, faut pas prendre ses rêves pour une réalité, hein. Objectif, nuit blanche, non. Vous trouvez vite les morceaux pour sauver la princesse Peach. Bowser possédé par Dragemona, quel malheur. Ah non, ils vont pas m'aider. Vérifiez où sont tombés les morceaux de végétoile sur la carte. Mais oui, c'est vrai! Je suis un débile mental. C'est quoi les pommes de terre qu'elle a meuf? Yes! Aïe aïe aïe. Ah, pas Hulk moche. Yes! Yes, yes, yes. Ah. Ouais, non, on lui parlera plus, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bah t'as débile, oui un peu. Même carrément là pour le coup, je m'en souvenais absolument pas. Excusez-moi, trop moche, de ouf. De ouf, de ouf. Elle pue du cul en plus. Oublie-la. Aïe aïe aïe, mais c'est plus à vous de l'oublier, hein. Attendez, mais du coup, est-ce qu'on va... Non, bah non.
Je pensais que ça ferait du dégât au mob, mais en fait pas du tout. Tu l'as. J'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais ça marche pas. Ça marche pas. Tu l'as, non mais oh. Ah ouais, là il y avait cette zone là qui donnait à rien. Hop. Non, pas tout dans la meuf moche Hulk vert. Putain, la violence. Ah ouais, c'est. Ah ouais. Ah, je suis avec des bons gars là. Des bons gars là, oh non. Oh non, qu'est-ce que j'ai dit? Avec des bons gars là, yes, un plaisir. Tire un bazooka sur la meuf. Le fameux bazooka. Le fameux bazooka. En vrai, j'ai l'impression que c'est par là. Je dis j'ai l'impression, mais je sais pas du tout. Ouais, ça a l'air d'être dans une forêt, on part vers une forêt. Je pense que c'est ça, hein. Ça doit être ça, en vrai. Je pense. Je sais pas du tout. Envoie un lance-missile sur la main. Aïe, 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 aïe. Mais ça graisse, c'est tout. Aïe, 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 vous êtes violent quand même, hein. Ça me fait un peu peur, tout ça. Ça me fait un peu peur. Hop, ok. Jusque-là, tout va bien. On passe par là, on monte par là. Tout va bien. On descend là, il y a rien. Ouais. Ah, peut-être par là. Ouais, et là, on continue par là. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait un peu mal aux yeux, là. Je crois que c'est ça, hein. Voilà, ok. Ok, c'est bon. Si c'est pas là, j'ai le seum, hein. Si c'est pas là, j'ai un giga seum, hein, quand même. Pas ça, t'inquiète, comment ça, je m'inquiète encore plus là, je m'inquiète mille fois plus là, comment ça, un trou à la meuf verte, yes, on va lui faire une liposuction, on va faire une liposuction à la meuf verte, mais sans anesthésie. Bon, du coup, est-ce que c'est là? On va regarder. Ouais, j'ai l'impression que c'est là. Hein. Mais ça doit être un endroit qu'on n'avait pas accès avant ou un truc comme ça. Faut se dire ça. Ah ouais, c'est pite là de con. J'avais oublié. Ok. Ok, jusque là, ça on l'avait fait. Enfin, en tout cas, ça me dit quelque chose jusque là. Ok. Ah mais oui, du coup, oui. Eh ben oui, du coup, maintenant on peut avancer par là, on peut le pousser, on peut le dégager. Hop, on va faire une petite save quand même, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un boss. Hein. Faut lui foutre un rayon de Luigi électrique, masque. Je sais pas quoi. Yes. Aïe, aïe, aïe. La meuf verte, t'inquiète, on est spécial. Mais non, vous êtes pas spécial, vous êtes... spécial. Aïe aïe aïe. Ah, avec tout ce qu'il nous donne là. Oh merde. Merde. On est différents, ouais, c'est ça. Vous avez vos particularités. Aïe aïe aïe. Non mais non, Mario. Il est con ce coup. Mais non, mais. Non, mais c'est moi. C'est moi qui suis con en vrai. C'est moi qui suis carrément débile. Hop, allez, Luigi, Mario, allez. Ok. Après là. Accepte nos différences, je les accepte, ne vous inquiétez pas. Non, allez, hop. C'est fou, je fais des sauvegardes à chaque fois que je vois un truc de sauvegarde maintenant, j'ai trop peur. J'ai trop peur. C'est Luigi, il va se faire aspirer par la meuf. Aspirer? Comment ça? Pourquoi faire? Oula, lui, je... Pas confiance. Pas des masses. Pas des masses, bizarrement. Merde. Aïe, 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 non. Et il va faire chier, attendez. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ok. Bon, lui, du coup... Le sanctuaire de la tribu Escargot se trouve droit devant. Accès interdit aux étrangers. 1000% faut y aller comme ça. Si Luigi tente de faire un trou de...
La meuf va s'asseoir sur Luigi. Fais 20 mètres de haut, s'il te plaît. Ah bah non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Fonce-lui dedans. T'as raison. T'as raison. Non, c'est pas ça. Le truc de Zop de Mario, non, ça marche pas. Tu l'as, mais c'est pas une femme, ça. Le sanctuaire, accès interdit aux étrangers. Oh, mais j'avais pas vu, il y a une suite par là, excusez-moi. Là, y'a rien. T'avais pas vu qu'il y avait une... Il y avait une suite, là. Bon, alors... Oh! Vous êtes à la réception du Colisée, escargot. Voulez-vous relever le défi? Un trou, Michel. Prix de l'entrée, 500 pièces. Payez 500 pièces et pour le reste, c'est gratuit. Ouais? De ouf. Un plaisir d'utiliser ma thune, hein. Colisée, escargot, relevez le défi pour connaître son secret. Ok, Colisée escargot, entrez et gagnez, la tribu escargot vous reconnaîtra. Ah, vous reconnaîtra. Ok, donc je ferai plus un random. La prochaine fois, c'est nous qui relèverons le défi. Nous allons gagner. J'ai pas confiance. Voulez-vous relever le défi? Ouais, carrément. Je sais pas ce qui va se passer. Bonne chance. Oula. Bienvenue au Colisée. Voulez-vous battre la balle joviale? Explication quand même. Ok, je vais vous expliquer les règles. Le Colisée escargot est un endroit sympa. Essayez de battre autant de Sar Soda Rock que possible dans le temps imparti. Ceci est un Soda Rock. Il crache une boule. Si elle tourne, elle touche Gare au Choc. La couleur de la boule a changé. Renvoyez la boule avec votre Soda Plaque. Et sa couleur changera. Je vais être trop nul. D'ailleurs, ta neige, j'étais censé avoir un truc demain après, mais vu que tu live, j'ai décalé à vendredi. Jeudi, je prends pas de soucis, t'inquiète. Bah ok, bah pas de soucis. Pas de soucis, mon Kuroko. Envoyez cette boule sur les Soda Rock pour les détruire. Oh. C'est une barrière champi, les Soda Rock en crachent parfois. Grâce à elle, tu seras protégé pour information. Tu ne peux pas la sortir du Colisée. D'accord, tu peux... enveloppé par la barrière dans cet état, même si tu touches la boule, tu ne reçois pas de choc. La boule détruira peut-être des Soda Rock. D'accord. C'est des sodas en cailloux. Il y a utilisé les boutons et les LR pour tourner la barrière en temps voulu. Ah voilà, ce sera plus simple. Utilisez la manette pour se déplacer. Utilisez les boutons A et B pour faire une rotation. Comment ça? Ouais, on va tenter. Mais attendez, mais je peux pas... Ah mais ouais, mais attends, mais c'est trop chaud! Mais L et R, ça sert strictement à rien? Ça sert littéralement à rien, L et R? Ah là là, je suis trop nul! Je suis trop nul! Ouais, non, je suis trop nul. Oh, je peux. Ah, mais d'accord, c'est pour balancer la barrière. D'accord, très bien. Ok. Oh, je commence à voir un peu le truc. Ok. Hop. Ok. Bon, j'arrive pas à tout renvoyer. Quoique, ça va. C'est tranquille. Yes. J'ai l'impression que je... pas grand chose quand je prends des dégâts, ça va, c'est tranquille. Ah là là, je suis trop nul. Non, allez, ouais. Hop, là faudrait que je les renvoie sur eux en fait. Hop, non. Ah, peut-être plus comme ça, ouais. Ouais, comme ça me paraît pas mal.
Ah, c'est chaud. C'est chaud, sa mère. En vrai, c'est pas facile, hein. C'est ultra compliqué. Fin. Pourquoi c'est écrit fin en bas? Oh, incroyable, vous avez réussi, vous avez battu le meilleur score. Quand même plus d'heures de... Je devrais faire 16 à neige, donc c'est bon. Ah bah c'était extrêmement simple alors. Bon, alors que j'ai fait n'importe quoi, hein. Tenez, champion, prenez ceci, les escargots vous remercient. Vous avez obtenu l'honneur escargot. Et du coup, attendez. Je peux revenir? Non, 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 je veux pas. Je veux pas, je veux pas, je veux pas, c'est bon, c'est fini. Ah bah magnifique. Magnifique alors. Hop. Bon bah on va aller dans le sanctuaire escargot du coup. Le fameux. Hop. Ceci est l'honneur des escargots, vous êtes le champion du Colisée. La tribu escargot vous reconnaît. Magnifique, on va faire une petite sauvegarde comme ça, on perd pas de temps encore une fois. Magnifique. T'inquiète, moi dans le tas, je suis le livreur Uber Eats. Je vais partout, comment ça? J'ai rien compris. Je comprends rien. Aïe aïe aïe. Alors là, il y a un chemin, ok, très bien. Oh! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh quoi, encore vous? C'est moi qui ai trouvé ce trésor en premier. Ah non, on va lui péter la gueule, hein. Maintenant, t'as plus Bowser, mon ref, hein. T'as plus Bowser, t'es dans la merde. Purée, vous me prenez pour un fou. Ne me sous-estimez pas, parce que je suis tout seul. J'ai débuté dans le combat en solo, voyez-vous. Bah, en vrai, il va être easy, quoi. Il nous a volé un champignon, c'est pas trop un problème. Ça devrait le faire. On va lui péter la gueule, du coup. On va tenter le frère feu, tiens. Ah oui, là, il faut que je spamme. Quoi? Pourquoi j'ai pas... Pourquoi j'ai pas pu? Bon, c'est pas grave. On va tenter le frère tonnerre, du coup. Alors là, faut que je spamme B. Faut que je fasse juste B. Ça fait que du 4. Ça fait pas énormément de dégâts. Il se retourne, ok. Ah, le bâtard. Il m'a volé le marteau! Il m'a volé le marteau! J'ai plus de marteau! J'ai plus le marteau! J'ai plus le marteau! Quel chien! Mais je le déteste! Je le déteste! Comment ça tu me voles mon marteau? Et puis quoi encore? Mais rends-moi mon marteau en fait! Rends mon putain de marteau! Il est fou! Mais je vais le fracasser! Ah bah ouais, du coup. Et du coup, il me vole! Oh là là, mais quel chien! Mais je peux même pas me défendre du coup! Je peux même pas me défendre! Mais je peux rien faire! Je me prends des dégâts gratuits là! Je me prends des dégâts gratuits, je peux rien faire! Quel chien! Je déteste ce perso. Allez, on spam. Mais pourquoi je peux pas... Ah bah oui, du coup, j'ai pas de marteau. Bah ouais, du coup, j'ai pas de marteau. Il te spam de ouf. Tiens, tiens. Ah bah du coup, maintenant, je récupère mon marteau. Ok. Il peut avoir qu'un seul marteau à la fois. Ça va, ça rassure. Affaire hélico, tiens. Hop. Hop là. Bah 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 bah. J'adore cette technique parce qu'elle... On tape plein de fois, et c'est trop bien. 61, on lui a fait du dégât, là. Là, il va forcément aller... Ouais, bah, c'était sûr. Ah, quel chien. Et là, il va me re-me-spam, j'ai rien pouvoir faire. Là, je peux rien faire. Je peux littéralement rien faire. Tu peux pas te protéger? Non, je peux pas. Je peux pas. J'ai pas de marteau, donc je peux rien faire. Bah ouais, du coup, il me le tue. Je peux littéralement rien faire. Il a un peu cheaté, en vrai. On va pas se mentir. C'est de la cheat un petit peu, hein. Karma de ta neige, comment ça? Comment ça, karma de ta neige? J'ai rien fait. J'ai rien fait de mal, moi. C'est lui, il veut nous voler un bout de la végétoile. Il est fou, lui. Tu avais dit que tu allais lui rouler dessus, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Même si marteau avait su ce main, c'est pas ouf. C'est vrai que c'est pas la meilleure des idées, hein. Et là, je lui fais que du 10. Qu'est-ce qu'il fait? Yes, yes. Yes. Non, mais non, mais comme par hasard. What the fuck?
Oh là là, oh je suis si nul. Mais non, mais stop, mais... Mais c'est quoi ce spammage? Mais vous avez vu comment il spam? Vous avez vu comment il spam? C'est quoi? C'est quel genre de fils de pute? C'est quoi? Comment ça? Genre, t'es autant un fils de pute en fait? Comment ça en fait? On va spammer les attaques, bro. Hein. On va faire des hélicoptères, tout ça là. Pareil, là on va faire bascule. Ça va lui faire trop de dégâts et tout. Ah, ça a pas fait énormément de dégâts. Là il va voler un truc. Ah, punaise! En plus, on peut pas, non? On peut pas, enfin, c'est trop chiant. Vous avez pas vu celle-là? Vous l'aviez pas vu celle-là? Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre un peu. Mais je comprends pas. Luigi, il a toujours son marteau. Pourquoi je peux pas rebalancer? Cette année, je veux en grande comme le trois quarts des emotes. Ça fait des bonnes PP. Bah écoute, c'est une exclusivité de Twitch, c'est vrai. C'est vrai. Je vais pas dire le contraire. Hop. Ok, là ça a fait du vin, c'était plutôt pas mal. Ah. Avancer. Quoi? Quoi? Comment ça m'en... Oh non. Non mais non, aussi... Yes. Ouais. Non, punaise, non. Oh là là, il spam trop. Et à quand les emotes que moi et Shion on a demandé? Eh, vous les avez demandé il y a quoi? Vous les avez demandé une heure avant le stream. À un moment, j'ai pas le temps de tout faire, non mais oh. Et vous, celui-là? Il est fou. Yes. Ok. Bon, du 2 de temps en temps, c'est pas bien grave. Hein. Bon, du coup, hop. Ok. Mais en quoi c'est avancé, Chumbamba? Et là, il va rechercher son truc de mort, là. Non, bah non, là, c'est trop tôt. Non, yes, putain, je suis un fils de pute, c'est pas possible. Il balance trop de trucs aussi, c'est trop compliqué. Pas du tout, 18h30, voilà. 2 heures avant le stream, waouh. Waouh, j'ai vachement le temps. Du coup, j'ai pas regardé si le feu... Ouais, non, ça fait pas beaucoup de dégâts. Et l'électricité... Ça fait pas beaucoup de dégâts. Il se remet 50, pardon. Bah, il s'est remis toute sa vie, je suis sûr. On va faire ça, tiens. Hop, et là... Bam! Ça fait que du 5, c'est fou, ça. On va tenter ça, tiens. Yes! J'ai tout loupé. Yes! Je suis que de la merde hein, depuis tout à l'heure, par contre. C'est impressionnant. Yes! Ah là 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 là! Mario a le cancer, bah il est malade! Il est malade, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais comment ça avancer? Genre. Pourquoi ils disent avancer? Yes! J'arrive pas, hein, il me revole un champignon. Pas beaucoup de dégâts. Ouais, non, je lui fais presque pas de dégâts. Hein. C'est ça qui m'énerve un petit peu. J'ai juste lui sauté dessus en boucle, hein, et puis c'est tout. Ah non, je lui fais du 2, mais qu'est-ce que... Comment ça se fait que j'ai fait aussi peu de dégâts, je suis en bas? Comment ça se fait? 2 dégâts, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Ah, il va rechercher son putain de sac. Là, j'arrive pas. Yes, je suis... Ok, on esquive. On prend. Ok, ça va. Ça va, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien, vous m'avez compris.
bah écoute, on va tenter l'hélico, hein. C'est pas beaucoup de dégâts, hein, je comprends pas. Je sais pas ce que je suis censé faire en fait. Yes, yes. Ah punaise, j'arrive pas. J'ai pas le temps, je fais aucun dégât. Et salut, Race to Twitch, comment tu vas? Salut, bonsoir à toi. Hop, là ça saute, là on saute, on saute, on saute. Non, pourquoi j'ai sauté? Je suis con. Je suis con. Ah là là. Non, trop tard. Par contre, il spam, c'est impressionnant. Il spam à mort et c'est ultra compliqué de lui mettre des dégâts. Je comprends pas. Ça va nickel et tout. Bah écoute, ça va être très bien. Ça va être très très bien, sauf que je n'arrive pas à comprendre comment battre ce personnage. Je lui mets du 4 avec de la chance, c'est comme ça. Eh, je lui mets du 10. Ah, trop tard, putain. Je suis trop nul. Ta mère, toi. En fait, au début, je lui faisais pas mal de dégâts, mais là, je fais plus rien, en fait. Je ne comprends pas. Je comprends pas ce que je suis censé faire. Et là, il va re-nous spammer. Je le trouve insupportable. Ok. Yes. Non, ok, c'est bon, j'ai récupéré un peu de vie. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Oh bordel, ce jeu me fait penser à Mario et Luigi au centre de Bowser, les souvenirs. Et bah écoute, on fera un jour ou l'autre, de toute façon, Mario et Luigi au centre de Bowser. Donc si ça te fait autant plaisir, pourquoi pas, hein. Non, mais je suis trop nul, c'est pas possible. Bah ouais, du coup, il va me spammer, cet enfoiré. Et je peux rien faire. Bah ouais, je peux rien faire. Rien faire, il me saoule. Tu veux savoir les PV qu'il a le boss? Ouais, un peu. J'aimerais bien savoir. Poivron rouge, boost puissance. À utiliser un champignon parce que voilà. 500 HP. J'ai vu le remake de ce jeu et du Mario et le jeu au centre de Bowser. Et c'est deux jeux excellents. Et bah écoute, on les fera. Hein. J'ai rien de plus à dire en vrai. On les fera, c'est tout. Ah là là, j'ai été si nul. Hop, ok, ça va. Mais il est ultra chiant en fait. Je fais aucun dégât. Avant, je faisais genre du 28 et tout. Hein. Mais là, je sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, je fais presque aucun dégât. 500, mais c'est rien. Bah, quand tu lui fais du 1 ou du 2, ou du 10, c'est pas énorme. Hein. Enfin, c'est énorme. Hein. Ok. Non, pourquoi ça a pas voulu sauter? Oh, j'ai sauté. Oh, je suis pire des abrutis, c'est fou ça. C'est fou ça. Je vais tenter le marteau. Ah non, marteau, ça fait 2, s'il te plaît. Je suis censé faire quoi? Il fait du 20, hein, c'est pas énorme. Oh là là, en plus il va récupérer sa vie. Je comprends pas comment je suis censé le battre en fait. Mais les mains, elles font presque aucun dégât. Elles font du 2. Ça fait rien. Pareil pour celle de Luigi. On va faire le tour des trucs. Ça fait du 11, c'est neutre, c'est nul à chier, ça fait rien. Ça pue du cul. Je vais soigner un peu Luigi quand même. Non, c'était pas ce que je voulais faire. On va utiliser champignon. Je spam les attaques glow les plus puissantes. C'est tout. Alors on va tenter ça. Hein, Ça fait du 4. Hein, Je veux bien, mais ça fait du 4 quoi. Pas non plus extrêmement extrêmement la puissance quoi.
Mais en fait, pourquoi je peux pas... Bon bah on va juste faire ça, hein. De toute façon, on n'a pas trop d'autres choix, hein. Merde, putain, je suis nul. Oh là là. Et j'ai plus de vie avec Mario, mais comment on va faire? Comment je vais faire? Comment on va faire? Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, on n'aura plus assez de d'attaque bois, hein. Je fais du 12, s'il te plaît. Après, la soluce dit que tu aurais dû faire l'autre morceau de végétoile avant celle-là, celui-là. Ah, mais je sais pas comment... Je pouvais pas savoir l'ordre, en vrai. Hein. Je pouvais pas réellement savoir, hein. Ouais, j'ai déjà plus d'attaque bros. Je pensais faire comment? 41, ok. C'est peut-être revenu à la normale. C'est peut-être revenu à la normale, attendez. On est peut-être revenu à la normale. Et là, on va peut-être faire du dégât. Ah non, on fait du 12, hein. Ouais, 27. Ça va. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien, hein. On va continuer. Ah, je peux plus. Bah, on va faire marteau, hein. On va spam les marteaux, de toute façon. Et les sauts, ça fait quoi? Ça fait du 30. Ok. Ah, trop tôt. Non, mais je suis un fils de pute. Ok. Ok, ça va. Ça va, ça va. Bah, du coup, on va faire saut, hein. On est un peu obligé. On va faire saut. On va continuer. On va continuer de spam les sauts, hein. De toute façon, on n'a pas trop d'autres choix. Hop, et là, voilà. Voilà. Et merci, Race to Die, pour le à boire. Ça fait depuis le début du live que j'ai pas eu de à boire. À ta santé, mon Race. Ça fait du bien. Nourris-toi, la plante. Yes, un plaisir. Là, on peut pas. Non, bah, on va juste faire des sauts. Hein. Et là, ça retourne à 2. Je comprends pas. Je comprends pas. Oh, trop tôt, non, mais non. C'est trop chiant. Et là, je peux pas défendre et il va me spammer, cet enfoiré. Mais il est cheaté, c'est fou. C'est fou, ça, quand même. Ah, je peux pas, hein. J'aimerais bien savoir à combien de vie il est, là, actuellement. Rien que pour savoir. En vrai, il me fout le seum. Il m'énerve. J'ai jamais rien dans l'ordre. Mais ça, une purée, je... Franchement, je pouvais... Oh, let's go. Franchement, je pouvais pas savoir. Oh, let's go. Je pensais pas qu'on aurait gagné. Je pensais pas qu'on était proche de la fin, là. Je pensais on devait être au milieu ou un truc comme ça. Il vous reste plus que un à trouver, magnifique. Non, je n'abandonnerai jamais. Jamais. Ah oui, d'accord, d'accord. Oh là là, merci pour les GG, merci, vous êtes adorables. Mais du coup, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette merde? Oh là là, c'est moche. Oh là là. Bon allez, du coup, on va pouvoir continuer. Il nous reste une demi-heure, en vrai, ça devrait le faire, je pense. Ça devrait le faire, et là, le dernier bout, il est par là. Je vois pas trop à quoi ça correspond, mais on va essayer de trouver ça. Et en vrai, au final, on s'en est bien sorti, hein. Mais oui, t'inquiète, les 4 morceaux en live. En vrai, carrément, t'es sur émulateur ou sur une console? Je suis sur émulateur, et oui. Parce que c'est toujours largement mieux, émulateur, en vrai. C'est toujours largement mieux. Hop, en tout cas, quand tu veux stream quelque chose, c'est toujours 1000 fois plus pratique. Du coup, si tu m'as rep, je sais pas si tu comptes faire ce que Shion et moi, on t'a demandé. Peut-être pas forcément ce que vous avez demandé, mais... Mais quelque chose dans le genre, ouais. Hop, et là. Ouais, non, peut-être pas exactement ce que vous avez demandé, quand même. C'est un peu... Un peu spécial, quoi. Allez, allez. En vrai, je pense qu'on a le temps pour faire la dernière partie de la végétoile. Au moins, comme ça, le titre de la VDOD, on pourra l'appeler « La recherche des végétoiles », ou un truc comme ça. Des morceaux de la végétoile, ou un truc comme ça. Pas le chat ou le reste, oui, 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 c'est vrai, tu as raison. Hop, magnifique.
Ça va plus vite de repartir que d'arriver quand même. Hein. Ça va plus vite de repartir. Ce qui est pas mal. Ce qui est une preuve de bon game design. Hop. Oh non, c'est bon. Ah, j'avoue que le Shawn, ce serait un peu chelou hein, quand même. À la recherche des morceaux de végétoiles avec des martiens. Comment ça avec des martiens? Ah, parce que vous êtes chelou, c'est ça? Parce que vous êtes chelou. Nah. Hop. Du coup, on va descendre là comme ça et on va aller foutre vers le haut. Hein. Haricot, GG. Comment ça? GG, comment ça? J'ai pas compris. Pourquoi le GG? Pour quelle raison? Oh, attendez, là, il y a un truc. Est-ce que ce serait là? C'est possible, en vrai. Non, rien à voir. Ok, oh, let's go. King of fin, t'inquiète. Non, mais je pense que Haricot, il parlait du machin. Même GG. T'as réussi à kill des haricots maudits qui volent. Ah. Et donc, tu es fier de moi, c'est ça? Ça fait plaisir, mon king, merci. merci. On va regarder vite fait la carte, si on est proche ou non. Ouais, on est proche, c'est bien vers par là. Ah, pardon. Ah, mais je crois qu'on la voit. Ah non, rien à voir. Ok. Là, on peut pas y aller. Là, on peut aller par là, d'accord. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Est-ce que ce serait par là? C'est sûrement par là en vrai. Vive les crêpes, c'est la base des crêpes. Fait pour moi qui la chantillé avec plaisir. Ah, j'ai une petite idée d'où est-ce qu'elle peut être la végétoile. C'est peut-être là où est-ce qu'il y avait le gros monsieur la dernière fois là. La première fois qu'on a vu un gros monsieur. Vous en souvenez ou pas? Les crêpes c'est top tier mais c'est chiant à faire, je suis totalement d'accord. Alors là je suis fou d'accord. Ah ou alors non là! Je me souviens il y avait un bout là-haut non? Ouais il y avait un bout juste là. Ouais on va tenter ça. 1000% c'est ça. Fait que là on parle de crêpes n'empêche c'est vrai. C'est vrai. Ah là là, c'est vrai, c'est fou le vrai. Putain, les grosses bouffes. Hop. Bon, du coup, là par là, ok. Ah, tiens. Ok. C'est un peu spécial. Non, pourquoi? What the fuck? Ah, peut-être que je peux accéder à ça. Non. Oh, ok, pardon, ok, très bien. Voilà, on va faire cette partie-là. Ok. Allez, hop. Il y a des moments où j'ai un peu plus de mal, hein, quand même. Merde, c'est pas ça que je veux. Ah là là. Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, c'est compliqué hein. Luigi, Mario, Luigi, ok. Hop et là. D'ailleurs Mario Bros thème, mais en version drill. C'est vrai que ça ressemble hein. Oh je sais où est-ce que ça va nous amener. Ok. Ok, je vois où est-ce que ça va nous amener. Et c'est totalement là où est-ce que je pensais qu'il fallait aller. Oh, let's go. Let's go. Bon, du coup, on va remonter. Je crois que c'est par là. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, là aussi, à la bouche, juste là. Voilà. Quand vous allez les voir, vous allez vous dire « Ah, mais oui, c'est vrai, c'est ça, mais oui. Il a trop raison, le Tanej, encore une fois. » Waouh, il est trop fort. Allez, putain, Luigi. Non, ah, ok. Pas de soucis. Je pensais. Un plaisir en tout cas.
Mais vous allez quand même vous dire ça, hein. Aïe, aïe, aïe. Il est trop fort, saute sur la tête de Mario en boucle. Ouais, mais non, mais ça, c'est Luigi aussi. Il est pas doué. Vous vous souvenez de lui? Vous vous souvenez qu'il était chiant, qu'il voulait pas nous laisser passer et tout? Oh, en plus, c'est pas ça. En plus, c'est pas ça. Félicitations, vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Laissez-moi vous donner ceci pour marquer cet événement. Un champidor. Bon, bah, c'était pas là. C'était pas là. Ça aurait pu, hein. Aïe, aïe, tout chemin pour un putain de champignon de Paris, j'avoue. Non, mais là, c'est chaud, hein. Je suis trop déçu, quoi. Du coup, non, c'était pas ça. C'était de l'autre côté qui... C'était... Mais je crois que je suis allé un peu trop loin, en fait. Et que c'était pas vraiment là. Mais c'était... ça paraissait logique, genre... il y avait tous... On avait... Ça avait débloqué tous les chemins et tout. Moi, ça me paraissait logique, perso. Personnellement, ça me paraissait logique. Ouais, bah ouais, ça paraissait bien. Pourquoi c'est pas là? Là, ce sera pas ça, bah ouais. Non, bah non, ce sera pas ça dans tous les cas. Oh là, tout ça pour un champ pipi, mais oui. Mais où est-ce que ça peut être? Là, ça peut pas être à droite parce que je peux pas le faire. Ce serait par là. C'est bizarre quand même. Ah ouais, ça j'avais oublié ce truc là. Ça en vrai c'est pas facile, hein. Non, ok. En vrai c'est pas facile, hein. Ok. Ok. Non, je me suis trompé de bouton. Allez, saute Mario! Ok. En vrai, c'est pas facile, hein! Putain de merde, c'est compliqué! Il aurait fallu avoir 20! J'ai pas réussi! Du coup, c'est flop, 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 flop. Oui, c'est un giga flop, hein! Il aurait fallu que j'ai 20, mais c'était ultra chaud! Pas moyen, je vais juste à pied là! Pas envie. Attendez, est-ce que je suis au bon endroit au moins? Non, bah non, je suis pas du tout au bon endroit en fait. Je suis pas du tout au bon endroit. Je nous fais perdre du temps en fait en faisant ça. Bah c'est bien, c'est parfait. Mais en fait, je le savais, c'est juste je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. D'après la solution, c'est pas là. Non, mais t'as raison. Fallait juste que je regarde sur la carte. Aïe aïe aïe. Ah, je suis pas doué, c'est fou. Si je vais par là. D'après mon cerveau aussi. Oh là 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 là. Oh, mais non. Allez. Bam. J'adore one-shot les trucs. J'adore, c'est trop satisfaisant. À partir du château, prendre la sortie de l'ouest, puis monter jusqu'au nord, jusqu'à une sortie. La liste. Je vais déco, désolé, bonne nuit. Tout le monde est bonne fin de live. Pas de soucis, Moïta Dakimas. Pas de soucis. J'espère que t'as passé un bon moment. Ah, c'est peut-être là. C'est peut-être là. Non, c'est peut-être pas là. Est-ce que je me rapproche? Non, c'est pas ça. Hein. Ça a l'air d'être. Ah non, j'étais sur le bon chemin en fait. Là on se rapproche. Quand on vient ici, on se rapproche. Ah bah voilà. Ça paraît logique là. Ça paraît logique. Parfait. Comment vous avez fait ça? Bref, on connaît la chanson un peu. Oh! Y'a un cinéma? What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, on va devoir faire une pièce de théâtre ou un truc comme ça. 1000%.
Quoi, vous? Oh là, une minute, vous deux. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et parler à mon maître. Je suis sûr que vous êtes ici pour obtenir des sous. Mon maître est très occupé, il n'a pas le temps de s'occuper de vos problèmes. Allez-vous-en vite, allez-vous-en. La végétoile s'est cassée en 4 morceaux. Oh maître, maître, ne les écoutez pas. Vous ne devez pas les croire. Ils ne cherchent qu'à vous embobiner pour vous prendre tout votre argent. Ce sont des mensonges. What the fuck? What? Mais qu'est-ce qu'il fait? Toi, tais-toi! What the fuck? Oh, oh, il est gentil! Et là-dessus, veuillez m'excuser. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage. Ça mène au Sinigashi. Quoi? Je ressemble à Barankar, la légendaire fabricant de soda? Oh, c'est vrai! Le légendaire fabricant de soda. C'est parce que... je suis... le petit frère de... Barankar. Mon nom est Bacalar, petit frère du légendaire fabricant de soda. Comme vous le voyez, je suis assez riche pour posséder mon propre cinéma. Je suis aussi président du fan club Yoshi. Ce cinéma a été construit par un ami du peuple Yoshi pour la distraction des Yoshi. Alors, de quoi voulez-vous me parler? Le fameux. Je vois, vous devez récupérer la décoration sur cette enseigne. C'est bien ça, je le savais. Je trouvais que c'était parfait pour décorer mon enseigne, mais je suis prêt à vous le donner. Oh, adorable. Adorable. Mon maître, ne faites pas ça. Il ne faut pas le donner, maître. Mais ta gueule! Mais il est trop chiant, lui! Mais il est trop trop chiant! Mais il y a quand même une condition. Je vais perdre notre temps, l'autre à droite. Cette enseigne est importante. Pour le cinéma, trouvez une autre décoration pour notre enseigne et nous vous donnerons ce truc. Barankar, ça fait 40 bars avec les lettres, c'est vrai! C'est vrai, en vrai? Si tu mets le car, si t'inverses le bar et le car, ça fait 40 bars, hein. T'as raison de ouf. Quoi? Vous voulez dire les œufs néons? Les œufs néons? Oui, je vous l'échangerai contre les 7 couleurs d'œufs néons. Ok. C'est trop maître, confier une telle mission à des hommes d'un âge avancé, non. Il va se refaire, ouais, non, il est trop chiant. Je le dis car je mange des 40 bars actuellement, mais incroyable. La proba incroyable, mais le gars crêpe 40 bars, il est H24 en train de bouffer quelque part. Les 40 bars atomiques sont affreux, soit dit en passant, atomique c'est ceux qui piquent. Moi je les adore, je les trouve trop trop bons. Je les adore, c'est trop trop bon. Qui, je sais pas qui c'est, mais le mec en bas à droite de l'écran, je l'aime pas. J'ai cru que tu parlais de qui, j'ai fait comment ça. Ils sont affreux, moi j'adore ça. Ils sont acides à fond, ouais, je les adore. Oui, si c'est ça, j'adore. Hein. J'adore. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand un Yoshi mange une certaine nourriture, il porte un œuf. Il pond un œuf néon. Enfin, c'est ce qu'on dit. Dans ce cinéma se trouvent 7 Yoshi affamés. Alors, trouvez cette nourriture et donnez-la au Yoshi à l'intérieur. Quand vous avez un œuf néon, cela signifie que l'estomac du Yoshi est rempli. Cela signifie aussi que tout le monde est content. Aïe 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 aïe. Karanuga c'est un délice. Ah bah justement non. Aïe aïe aïe, c'est fou. C'est fou. Ah bah on a pile les goûts inverses. C'est fou. N'est-ce pas? Incroyable maître, votre idée d'utiliser les œufs est excellente. Vous deux ne restez pas plantés là, remerciez le maître et ensuite dépêchez-vous de trouver ces œufs néons. Puisque vous en parlez, il y a quelqu'un dans ce cinéma qui connaît bien les œufs néons. Vous devriez lui demander avec quelle nourriture les Yoshi pondent les œufs néons et où la trouver. Oh, ça va être long. Ça va être long, sa mère, ça va être encore pire. Là, il y en a un Yoshi, ok. Il y a 2 autres ici, donc ça en fait déjà 3, ce qui est pas mal. 3 autres ici, ok. Donc ça en fait 5, 6, 7, c'est ça.
Ta neige, on a les mêmes goûts en camembert, c'est incroyable. Barba Papa, c'est pas mal aussi. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis totalement d'accord. Barba Papa, c'est trop bon. C'est trop trop bon. Avec ses lunettes et son casque. Caranouga, atomique au fruit caramel ou même réglisse, je bouffe. Réglisse, non. Caramel, je suis pas fan. Atomique, c'est trop bon. En vrai, attends, Caranouga. Ouais, non, je suis pas fan, non. Car il y a du sucre, d'accord. Ah, mais il y a plein de Yoshi. Ah, mais c'est, ça doit être seulement ceux qui sont affamés, d'accord, très bien. Très bien, très bien. C'est exact, je suis Monsieur Végéto, l'architecte qui a construit ce cinéma. Et oui, je suis également le grand frère de l'intellectuel numéro 1 de la ville du château. Ah, réglisse, ça pue un peu du cul, hein. J'ai un goût que tout le monde avec le sucre. Bah non, du coup. Bah non. Quoi? Œuf néon, vous dites? Comment avez-vous su que je suis spécialiste de l'œuf néon? Oui, je suis architecte un jour, et grand frère d'un actuel, un intellectuel le jour suivant. Mais je suis avant tout. Je suis juste un vieil homme passionné par les œufs néons. Peut-être. J'ai transformé le Percival fan account en Caranouga fan account pour pourquoi craquer ça. Cette merveille, oh mon dieu. Oh mon dieu. Quoi, vous voulez savoir quelle nourriture doit manger un Yoshi pour pondre l'œuf néon? Bien, c'est le pois néon. Peut-être les pois néons. Ne pousse qu'à Végestia, il pousse sous le sol peut-être. Ok. D'abord creuser pour trouver le pois néon. Puis donner le pois néon à un Yoshi. Et Yoshi et vous obtiendrez un œuf néon peut-être. D'accord, très bien. Donc t'aimes les fraises au sucre? Oui. Du coup tu aimes les fraises, mon King? Mais vous savez, il n'y a rien de mal à s'intéresser aux œufs néons. Je n'ai jamais trouvé un seul œuf néon de toute ma vie. Ah. Et il en faut 7. Très bien, quoi qu'il en soit, les informations que j'ai obtenues et après bien des recherches ne sont pas exactes. Mais dans ma tête, j'ai une carte sur laquelle sont marqués les emplacements des pois néons. Peut-être. Pourquoi il dit peut-être? Que quoi? Vous allez les chercher et nourrir les Yoshi avec? Ok, je vais vous le dire, bien sûr, je vais tout vous dire. Je vais vous montrer une carte indiquant l'emplacement des pois néons. Je vais marquer leur position sur votre carte, peut-être. Ouais, bon, on va pas avoir le temps de faire ça ce soir, hein. Allez aux endroits indiqués sur votre carte et cherchez un lieu suspect. Entouré de plantes ou de roches à cet endroit, il y a sûrement un pois néon enterré. Pour déterrer un pois néon, il faut fouiller sous terre et ressortir, peut-être, si vous êtes chanceux. D'accord. Bon, bah, on va aller sauvegarder et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Aïe, 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 aïe. T'es déjà à la moitié des étapes, c'est ça. C'est ça. On va juste chercher les pois néons et puis voilà, hein, voilà. Après vraiment il est pas long la quête. Ouais mais non ça va pas le faire. Ça va pas le faire, il nous reste 4 minutes, ça va pas le faire. Et merci Raze to Twitch, donc du coup Pada, merci pour le avoir à ta santé. D'ailleurs je vais te renommer mon Pada. Je vais te renommer sur Twitch. Alors attendez. Comment on fait? Comment on fait déjà? Je ne sais plus. Ah voilà. Voilà. Je vais t'appeler Pada, ce sera plus simple. Pada Discord. Voilà. Voilà, ce sera plus simple pour moi. Pour moi, comme ça, je saurai. C'est parfait. Pada fournisseur officiel d'eau. Et pourtant, ah, tu t'es fait dépasser de loin par Tobs. Hein. Tobs, la première fois où est-ce qu'il est venu, pendant, je sais pas, je crois, 3 semaines, toutes les 15 minutes, il me mettait des à boire. Vraiment. C'est un effet d'optique, il est seulement 23h06. Bon bah écoutez, la rediff YouTube, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et en notre compagnie. N'hésitez pas les gens de Twitch à dire au revoir à la rediff YouTube. Moi je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous du coup très très rapidement YouTube.
Normalement, toutes les rediffs devraient sortir à peu près en même temps, parce que ce vendredi, on se fait un live vendredi après-midi sur je fais les miniatures des VOD, etc. Donc du coup, ça devrait tout sortir à peu près en même temps vendredi, dans les eaux de vendredi. Donc normalement, il y a plusieurs VOD qui vont sortir en même temps. Enfin, j'espère que c'est le cas. Sur ce, bah écoutez, YouTube, je vous fais des bisous. C'était ta neige. Des bisous, YouTube. Ciao.